Ouais, tranquille. Ça Bah marche. écoute, ouais, moi, au pire, je sais pas, tu me dis, tu m'envoies un message ou quoi. Moi, je vais essayer de braquer un peu tout seul. Puis je vais voir, je vais voir. Ça se trouve, je sais pas, je réfléchis dans les contacts qu'on peut avoir. C'est qui là, les gars, qui étaient en train de taf sur les voitures? Tu les as pas, je crois, comme contact, mais je peux te les filer. Ah si, je crois qu'ils sont dans la compta. Il y en a un qui était dans la compta et deux nouveaux. Ouais. Oh putain, il y a le Beniz ou le zombie là, je sais pas ce que... Ouais, c'est bon, ils se cassent. J'espère qu'ils vont pas prévenir les keufs. En vrai, ils s'en foutent, hein. Même les keufs, tout à l'heure, ils sont passés devant nous, on braquait un ATM. Ils ont Moi, je rien te dis, vu. gros, c'était vraiment les bras cassés, hein. Il y en avait un qui se faisait choper par la police. Et Ouais. 50 mètres plus loin, nous, on était à la station-service en train de braquer l'ATM. Ouais, d'accord. Et c'était... Ouais. T'as pas eu de problème avec des ATM un peu trop gourmands? Non, non, non. Ça va? Non. Du coup, ouais, je crois que le max que j'ai fait ce matin, c'était... Bah, c'était 50. J'en ai fait un 50 sur la Palomino. Ouais, non, mais. Ah, Giro. Toi, tu penses? Hop là. Allez, allez, c'est parti. C'est parti pour la CP. Ah non. Ouais, on va tenter en marche. Bon, j'y vais en sens inverse comme un gros connard. On m'a pénombre en plus. Bon, bien sûr, je sais que t'as pénombre. Ah, je crois qu'ils se sont crash. Ah, putain, non, ça colle. Oh! Oh, bah, je me. Ouais, d'accord. Bon, laisse tomber. Je me. Une voiture qui a. Speeding descend du véhicule. Ah ouais, je vois, ouais. S48 30 64. Bah. Vous avez besoin qu'on appelle les EMS vu le choc. Ah bah ouais, la voiture elle était pas là et puis elle était là, putain. Oh, Terrible attendez, ça. je vais essayer de descendre. Oui, allez-y. Ah. Vous sur le côté, asseyez-vous. Allez, man. Et SES, Ah. bougez pas. Attendez, est-ce que vous pouvez m'aider pour me mettre sur le côté au moins? Parce que je vais me faire écraser, chiant. Attendez. Allez, Oh venez, putain, j'ai accrochez-vous à mal. moi. Allez, asseyez-vous ici. Attendez, je vais m'asseoir. M46. Ah non, c'est. Ah, ouf. Voilà, Ah non, asseyez-vous c'était. au sol. Ah, ouais. Asseyez-vous au sol. Ça sera plus safe. Ah, ça fait mal. Elle est à vous la voiture? Non, elle est pas à moi. Elle a mon coloc. Elle est à votre coloc. C'est quoi le nom de votre coloc? Putain, j'ai même pas son nom de famille. C'est JC son prénom. D'accord. Vous avez quelque chose d'illégal dans la voiture ou pas? Non, pas dans la voiture, non. Et sur vous? Bah, oui, vous vous doutez de ce que j'étais en train de faire, donc oui. Oui. On a appelé le LSES, il en route. Ah si, merde. Heureusement, j'avais le casque parce que putain, ça. Il n'y avait pas de voiture et puis d'un coup, elle était là et puis voilà. Puis ça m'a stop net. Hein. Des choses malheureusement qui arrivent. Mon collègue va vérifier la plaque. Hein. Ouais, pas de soucis, ouais. Ils ont pris ton appel? Ah là, la coup dure. Attends. Que vous avez un permis de conduire et une carte d'identité à me présenter, s'il vous plaît. Oh, attendez, je vous donne ça. Ah, monsieur Johnson Page.
Et Très Tony bien. en haut. Et nickel. Bon, même pas qu'ils arrivent, je sais pas à quel moment ils vont arriver. Oh, tranquille, de toute façon, je vais pas bouger très loin. Ouais, je me doute bien, mais bon, sait-on jamais, vous voyez, si vous avez quand même des blessures ou autre. Oh, les rouges à lèvres. Ce serait. Ouais. On remercie le branche 4, hein. M46 I5. Putain, ça dégoûte. Je me connecte. Je fais 20 minutes. Une CP, je me cartouche. Putain. Bon, c'est pas grave, bon, s'en fout. C'est drôle, au moins on fait des scènes avec les Speedy, quoi. Putain, je trouve pas l'animation pour s'asseoir, par contre. J'aimerais bien savoir s'ils arrivent, savoir si on peut procéder à une palpation de sécurité sur vous. Non, mais tranquille, ça va, j'ai un peu mal, mais attendez. Allez-y, je vais me le. Ah. Ouais, mais il va Allez-y, falloir que vous allez-y. alliez voir, c'est bon, ça va le faire. Ah, Quelque chose ouais, de ça va, contraint, je. tranchant ou d'illégal sur vous? Bah, de toute façon, j'ai ce que j'ai braqué dans le Ouais. ATM et j'ai une batte de baseball et un marteau. D'accord. Je vous laisse lever les mains? Ouais. Ça passe? Ouais, ça va. Ok, donc je récupérerai les 35 liasses. Et je fais vite pour la deuxième partie. Et vous avez braqué, vous avez fait avec quoi? Marteau ou batte de baseball? Le marteau, la batte de baseball, ça marche pas si vous voulez savoir. D'accord. Allez-y, rasseyez-vous, rasseyez-vous. Mais je vais enlever mon casque quand même parce que j'ai chaud. Hop. Ouais. Ah, ouais, ça Plus de va. 120 de points de la pelle, ils arrivent. Ok, très bien. Allez-y, rasseyez-vous. On récupérera les liasses, le marteau juste après. Ouais, pas de soucis, ouais. Sauf si vous sentez de le donner maintenant. Ouais, je vais vous le donner comme ça, c'est fait. On perd pas de Ok. temps. Ouais, je Allez. récupère les 35 petites liasses et le marteau, s'il vous plaît. Oh, attendez. Hop. Sors Nickel. ma base de Alors, pas baseball, la mais c'est batte de pas pour baseball. vous. Oh, non, mais vous inquiétez pas, c'est un réflexe inopiné. Oui, je m'inquiète pas. Merde. Oh, attendez. Nickel. Allez-y, je vous laisse vous rasseoir. Ouais. Tant que les médecins arrivent. Mais ah, j'ai mal. Ah. Ah putain. Bon, moi j'ai moins mal que l'autre. Enfin, quoique lui, il doit pas avoir mal du tout parce qu'il a pas dû sentir grand-chose. Je pense qu'il a. Il a très mal aussi parce qu'il est inconscient. Ah bah nickel. Attends, cet enculé là qui est arrivé de nulle part là. C'était Babylone là, putain. Ça dégoûte. J'ai même pas pu jouer un peu avec vous, putain, ça dégoûte. NP nombre FF que vous avez. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, allez ouais, au coloc, nous ce qu'il m'a dit. Oula! J'ai vu un truc aussi! Ouais, c'est une J'ai eu roue, une je sais ambulance. pas, c'est une roue tentée, je crois, ici. Bonsoir, docteur. Choc frontal avec l'individu là, et après il y aura lui aussi à soigner dans la voiture. Eh monsieur, bonjour! Yo doc. Comment allez-vous? Ouais, j'ai un peu mal, mais ça va en vrai, ça pourrait être pire. Ok, qu'est-ce qui vous est arrivé? Choc frontal, c'est Voilà, ça? ouais, choc frontal avec une voiture inopinée qui arrivait de nulle part. Ok, je vois que le poignet a pris un bon coup quand même. Ouais, après, ça va, j'avais un casque sur la tête, donc j'ai Ouais. juste un peu sonné, j'ai peut-être un peu mal au bras, mais ça va. Alors, on va faire quelques petits mouvements avec le poignet, vérifier que c'est pas cassé. Oh, ça a pas l'air, c'est juste un petit peu enflé et un bel hématome. Ok, ouais. On a juste un bel hématome.
Ça craque pas quand on fait des mouvements. On va simplement mettre de la pommade. Vous avez mal à quel point? Sur une échelle de 1 à 10? Ouais, 3, ça va. Merde. Si j'utilise pas le bon matériel, ça marche pas. Oui, hop là! Nickel, petit coup de pommade et on est bon. Voici Murdoch. Surtout si vous sentez que la tête tourne beaucoup, que vous commencez à avoir des vertiges, vous n'hésitez pas à passer à l'hôpital ou à envoyer un petit message à l'entreprise et puis on se déplacera. Ouais, ça marche, ça marche. Si vous avez simplement un petit peu mal au bras, normalement ça devrait résoudre le problème. Ok. Petit hématome. Ouais, ça Eh ben marche. nickel! Parfait. Bah je suis coincé! C'est dans ma Oui. vie! Hop là, je suis décoincé! Eh ben nickel! Eh ben Ouais, écoutez, merci Doc. bonne fin de journée à vous, bon Ouais, courage! vous Et aussi, puis vous ouais. n'hésitez surtout pas hein, si vous sentez que ça va pas. Ouais, ça roule tranquille. Allez, bonne fin de journée à vous, bon courage! Ouais, vous aussi. Attendez, je vais me relever. Ah, ouais, ça Donc va. on va se décaler vers l'arbre pour être sûr de ne pas se faire écraser. Ouais, ça roule. Alors, monsieur Johnson, vous êtes en état d'arrestation pour délit de fuite et braquage d'ATM. Ça y est, il y a une loi qui est passée Pas ou. encore, donc Ah! comme on ne sait pas quoi vous mettre, on va partir sur. Hey, c'est Ça, une bonne solution. Bougez pas, j'appelle c'est bien une parce plombe dans le que. service. Eh oui, parce que moi aussi je me suis posé la question. Parce que techniquement, c'est pas un braquage de banque, mais c'est pas non plus un braquage de supérie, donc c'est pas encore dans les trucs. C'est un flou judiciaire, je reconnais ça. Oui, question, braquage d'ATM, c'est qualifié en quoi? D'accord, je mets quoi là pour le monsieur? Bon, rien du tout, vous me laissez partir. D'accord, allez, à plus tard, merci pour tes aides. Eh ben, on va faire un délit de fuite et un vol de biens. Bah d'accord. Parce que pour l'instant, on n'a pas de retour du bureau du procureur, Bah ouais. on attend leur retour. Bah Tu on va dois en déjà être en profiter. train de regarder comment ils vont faire. Ouais non, bien sûr. Alors, donc, monsieur Johnson, vous êtes en état d'arrestation pour délit de fuite et vol de biens à compter de 17h33. Que vous êtes connu de nos services pour des faits similaires. Oh, attention! Oh putain! Non mais, je crois que... Attendez, venez, je On recommence, va y mais aller, là, hein. là, entre les deux arbres, c'est bon. Ouais, Voilà, voilà, on je est crois que bien ça devrait intégré. aller, on est Ah, entre les deux sécurisé. armes, vous avez besoin? Non, c'est bon, vous inquiétez pas, mec. Ouais, ça va le faire, il était à deux à l'heure, il sait pas conduire. Nickel, écoutez, parfait. Eh ben écoutez, messieurs, Merci bonne fin beaucoup, de journée. Doc. Ouais, vous aussi, Doc, merci. Au revoir. Au revoir. Merci à vous, Doc, la bonne journée, Ouais, bon du coup, vous courage. Allez, disiez... bonne journée. Alors, je Merci. disais à monsieur Johnson, un page. Vous êtes connu pour ce genre de fait. Délit de fuite, non. Alors, du vol de biens, oui. Vol de biens, oui. Oui, ok. Alors. Donc, on a un délit de fuite et un vol de biens privés au public. Alors, pour le délit de fuite, on va vous retirer 8 points sur le permis. Nickel. Étant donné que vous avez quand même eu un accident, que vous m'avez donné des infos sur le fait que batte de baseball ne fonctionnait pas. Elias, vous savez quoi en faire déjà ou pas du tout? Pas du tout. Je vais être honnête, hein. Je sais même pas qui pourrait les reprendre, combien ça pourrait être pris, mais c'est juste, on va dire, de l'anticipation et une nouvelle activité, quoi. Et après, pour vous donner une autre info, si jamais, bon, c'est pas exceptionnel, hein, je pense que vous l'aurez rapidement, mais il n'y a que deux outils possibles pour braquer ce genre de système, D'accord. et ben vous en avez Donc le déjà un, marteau. donc. Le marteau que vous aviez sur vous et quoi d'autre? Bah, je vous laisserai chercher quand vous arrêterez des gens sur ce genre d'ATM. Vous verrez bien ce qu'ils ont dans les poches. Je vais pas vous tout vous donner tout de suite quand même, c'est trop Ah oui, mais facile. je me hey, c'est normal de tester. Ouais, non, bien sûr. Ok, bon, avec ces infos-là, on va partir sur une minimale.
Par contre, je vous laisse pas la voiture. La voiture va aller à la fourrière. Ok, ok, ça marche. Vous avez fait un déni de fuite. C'est pas compliqué, voyez, de. Oui, non, je comprends, il y a pas de souci, oui. Ouais. Alors, je vais vous demander. Alors, hop, hop. Et pour le délit de fuite. Et voici votre amende. Étonné. C'est fait. Et maintenant, pour le permis. Je vous laisse me représenter le permis, monsieur Johnson. Ouais, ça marche. Et nickel. Et ben, en vous souhaitant une bonne fin d'après-midi, monsieur Johnson. Ouais, bah vous aussi, oui. Merci beaucoup, à plus tard, au revoir. Ouais, ouais, pas trop vite, oui. Mais d'accord. Bon, eh bien on a fait une CP de merde. Putain, mais du coup c'est... Ouais mec. Oui, ça va. Bon, ouais, tranquille, hein. Je me suis juste bouffé une voiture qui est arrivée de nulle part, de face. Et du coup, bah, autant te dire J'ai peur que tu sois parti à l'hosto, ITT et tout ça. Non, non, en vrai, non, non, j'ai même pas pris d'ITT. Bah, en vrai, tu vois, et je crois que le casque m'a sauvé, hein, parce que en vrai, je l'ai pris de face, la voiture, et le cul, il a levé et tout. Donc, ouais, c'était chaud, mais en vrai, ça va, j'avais juste un peu le poignet... Ouais. Un peu tordu, mais ça va. En vrai, ça va, tu vois. J'ai pas d'ITT, rien. Passe te chercher. Bah ouais, vas-y, je veux bien. Je suis en 3061 en face de la Palmer Station. Putain, t'es loin. Bah ouais. Mais en même temps, j'étais allé braquer celui de la Palomino. Ah bah oui, oui. Et ils sont... Putain, ces enculés, ils sont arrivés par le nord, en fait. Est-ce qu'on fait pas un pilote en chouf pour les dames? Enfin, un braqueur en chouf. Oui, on peut. Hein. Bah, en fait, le braqueur. Mais en fait, comme on fait pour les voitures, en fait. Ouais. En fait, tu vois. Genre, y en a un qui tourne un peu autour, et puis s'il y a les keufs qui arrivent, qu'il les repère, bah, l'autre commence à se barrer à pied et on récupère, tu vois. Mais là, comme je te disais, ça veut dire que soit. Ça y est, les banques les banques G6 alertent les keufs,
Ou alors c'est le Beniz ou le, je sais pas si c'était le Beniz ou le zombie et ils ont envoyé un message au keuf, tu vois. Ouais, je sais pas non plus. Je sais pas, c'est soit l'un soit l'autre. J'ai pas pensé à demander. Parce que j'aurais pu Ah essayer oui. de négocier, tu vois. Après, j'ai pris la minimale et j'ai pris 1005, putain. Bah ça passe hein. Ouais, ça va, ça va. Non, mais Oh, tranquille. d'ailleurs, le temps qu'on était au tel tout à l'heure, Lance il m'a envoyé un message 115 par Elias. 115? Oui. Vraiment? Oui. Putain, mais c'est pas mal. Ah ouais. Et là il m'a dit on peut pas te les prendre direct. Putain, 115! Attends, non mais... Attends, faut que je calcule. Attends, on en a Ça nous combien fait là à 35 000 l'appart? là. Vrai? 35 000. Oh, putain, mais c'est Ouais. rentable de ouf. Ouais, mais ça veut dire que peut-être le prix des sacs il va augmenter, tu vois. Parce qu'en vrai... Bah peut-être qu'ils vont avoir des plus gros sacs dedans les sup, ouais. Ouais, c'est possible. Parce qu'en vrai, si les liasses sont plus chères, enfin se reprennent plus cher que les sacs, alors que le sac, déjà, il faut un 9 mm pour braquer, tu vois, c'est quand même plus risqué. Oui. Au moins, mais Après, pour... peut-être que les amendes pour vol d'ATM seront plus risquées aussi. Bah là, pour le moment, j'ai pris... Bah, je sais pas si c'est le vol de biens ou si c'est le délit de fuite qui m'a fait le plus Je cher. pense que c'est le délit de fuite. Hein. Ouais, je pense que c'est le délit de fuite et du coup, 1005, tu vois. Je suis à la sup de la Palomino, là, j'arrive. Mais ouais, délit de fuite, je pense. Ouais. Après, ils t'ont dit vous êtes en état d'arrestation, pourquoi? Bah pour délit de fuite et Et vol vol de de biens? biens. Ouais, les deux. Non mais il a le keuf devant moi, il a même appelé un haut gradé, j'ai entendu merci capitaine. Parce que en gros, bah, Bah, ils il savent savait toujours rien. pas. En fait, Oui. il m'a dit que les procureurs. Ouais, je te vois. Il m'a dit que les procureurs en fait sont en train de plancher là-dessus. Parce qu'il n'y Ok, a pas de ok. loi en fait. Ok. Ouais, si, merde. Ouais, Que donc tant du qu'ils ont coup. pas la rentabilité du truc, ils vont pas. Bah, en vrai, pour moi, c'est. Ils vont, Ouais. ils peuvent pas mettre d'amende. Hein. Bah, si, en fait, là, du coup, ils m'ont mis vol de biens, tu vois. Oui, non, mais ils peuvent pas créer une amende spéciale tant qu'ils ont pas la rentabilité du business. Ouais, t'as peut-être raison, ouais. Donc, ouais, pour le Enfin, ils moment, vont ils vont créer mettre une vol amende, de mais ça va biens être. et. Ils vont créer une amende, mais soit elle sera trop grosse, soit elle sera trop petite. Putain, du coup, ça veut dire que tu braques un ATM full à 50. Bah, tu te fais 5000 balles, quoi. 5005 même. 5500. Ouais. Oh, c'est rentable de ouf, hein. Et bah du coup on va passer à la fourrière. Bah, ouais. Putain, je suis dégoûté. Non, mais je suis dégoûté. Déjà, en fait, je suis sorti, j'ai pris les contresens. J'esquive les bagnoles et tout. Je commence à prendre la route de la Syrie, là, direction la mine. Et en fait, je fais un sens inverse. Il n'y avait personne. Et là, d'un coup, il y avait une voiture. Et en fait, elle m'a juste stoppé net, quoi. Ah mais Et oui, là, cette région, elle est chelou, non? ah, et du coup, bah, je me suis arrêté. Bon, après, ça va, les keufs, ils ont pas été bâtards non plus, tu vois. Ouais. Ils ont bien vu qu'il y avait eu le choc. Ils m'ont dit ça, monsieur, et tout. On appelle les médecins. Et moi, ça va, j'ai pas fait le connard, tu vois. J'aurais pu faire, oh, j'ai mal, faut que j'aille au. J'ai dit non, ça Ici. va, en vrai, j'ai juste un peu mal, ça le fait. Bah, je crois que c'est où. À mon avis, c'était où. Bon, faudra la réparer aussi un peu la pénombre, du coup. Non mais t'inquiète, ton straighter il est éclaté aussi, Ouais, donc c'est ce que faudra le j'ai vu, réparer un aussi. peu. Ouais. Bah, tranquille, écoute, on sort la pénombre, on va réparer les véhicules. Bah ouais. Putain, c'est bien, tu roules au régulateur, incroyable. Incroyable, C'est pas stable. j'ai pris 2000 balles aujourd'hui. Ah bah, et c'est mieux que les 3005 d'hier, non? Hier c'était plus genre 5000, hein. Ah ouais? Ouais. En plus, faut que j'aille. Ah, mais attention, en plus, faut que j'aille au Black Cat et tout pour chercher de la bouffe. Médoc, ça va. Ouais, Médoc, ça va. Après, ça va. Tu vois, tu. Ah, bêté, regarde la pénombre. Bah. Ouais, non, mais on va attendre qu'il la rentre, on va la récup. Hein. Bah non, non, Ouais, non, mais c'est mort. Le mec, il va pas la. attends 2 secondes, attends 2 secondes. La mets pas dedans, la mets pas dedans. Trop tard. Oh non, putain. Je lui aurais fait un billet. De ouf. À 3 secondes près. Ah Bon, bah ouais. tranquille, t'inquiète. Voilà, pas grave, pas grave. Bonne journée. Bon, à toi aussi.
T'as pas la thune? balles. Non. Ah, si, Ouais, bah tu l'as vas-y, payé, viens. non? Ouais. Mais je sais même pas sur moi. J'ai Ah plus de oui, thune. ok. Attends, passe-moi les clés. Ouais. Comme ça, c'est fait. Mais non, mais moi, enfin, non, c'est pas que j'ai plus de thune, c'est juste que bah, ça prend. Ah, si, putain. Non, j'ai. Ouais, tu Ça parles, prend sur le j'ai. compte, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Vas-y, tranquille. Ah, putain. Les types, quoi. Vas-y, on va aller au. Bah, on va aller à l'ATM des. À côté de la station, on va voir s'il est. Ouais. Oh, non, on va plutôt aller à la banque. Ouais, vas-y, en même temps, je fais un virement vite fait. Un virement, pourquoi? Pour les mecs avec qui j'ai taffé là. Ah oui. J'ai gardé le sale et je l'ai blanchi. Ok. Ah oui, ok, ouais. Tu l'es blanchi à combien? À 30? À 30, ouais. Ouais, t'as raison. Ouais, je fais pas le bâtard. Ouais, non. Puis ça va, au final, ça me coûte rien, quoi. Ça me fait rien gagner, mais ça me coûte rien. Ouais, une caisse de keuf, ça. Buffalo Bana, tu penses? Bah. Ils ont bien des buffalo normal, hein. Terreur de là. Ouais. Il y a moyen que ça soit une caisse de keuf, ouais. Ah bah oui. Bah oui. Bah de ouf. Vas-y, je vais l'envoyer. Eh, putain, mon téléphone. Attends, je vais l'envoyer au. À Aaron. Ah putain, ouais, ça a pas marché. Je vais retirer Je de. sais même pas si ça m'a. J'ai pas réussi à retirer, je crois. Moi, ouais, c'est bon. Ouais, des fois, moi aussi, j'ai des petits soucis, des fois. Et nickel. Ouais, c'est quand tu quittes trop vite. Ouais. Enfin, du coup, putain, j'ai plus que. Faut que je rachète un marteau ou un pied de biche. Ah oui, parce qu'ils te l'ont saisi? Bah ouais, ils m'ont saisi, Ah ouais. oui. Bah si on fait à deux, on a besoin que d'un truc. Ouais, non mais de toute façon, Ouais, faudra allô? quand même que j'en rachète un. Vas-y, je vais aller munitionner à côté. Non, il m'a dit d'attendre. Donc ouais. Ouais, ça tourne, il y a une Buffalo Bana qui tourne là. Vas-y, attends, je reviens. Ouais. Buffalo noir. Hop, yo. Ah oui, ok, Mickey est un peu chelou. Ouais, du coup, vous faites comment? Vous faites un conducteur et un braqueur? Un chauffeur, un braqueur? Ouais, c'est ce que j'y ai pensé aussi, mais. Ouais. Rendez-vous, Bénis.
écrasé, deux points, choix des pixels, des couilles, XS, putain de pucelle, un petit média bien menant, des motifs pour eux, c'est nature. C'est Oana, Sauve, Wizard, Dark, Soirée, Calvar, ensemble dans le parc. Passe des membres, virginité. Je suis à Wizard, je sais que tu n'es pas à mes côtés. Let's go, c'est qui là, let's go, je vous baisse, Wizard. Monde de pute. Débile, matraque facile, captain futile et inutile, car il docile, petit plan rapide, retour prévu à vie civile. Il faut la win, je suis comme une fume, je te fous. Hey yo! On fait un petit complet de supplique. Pas de soucis, on fait ça. Oh, pourtant, je me décale, c'est bon. Je vais venir donner un petit coup de main sur le parking, s'il te plaît. Apparemment, ça taffe de partout hein, sur les ATM, du coup, là. Ouais, ah oui, très casse. Ouais, ça. Oui. Il y a des collègues avec qui je faisais des bagnoles là. Ouais. Ils braquaient un ATM pendant qu'il y avait des mecs qui faisaient la sup. Oh, toujours plus. Putain, les mecs font la sup. Ils sont fait pointer au neuf par. Il y a Bobby qui est revenu aussi. Par les mecs dans la sup. Ouais. Et bonsoir. Faire celle d'à côté. Derrière moi, oui. Ouais. Oh bah ouais, okay, tu ouais. M'étonnes. Putain. Putain, il y a une patate qui est partie. Tu arrives, il y a tout le monde qui a fini ce qu'il est en train de faire. En vrai, on peut checker sur ma liste là et. Ouais, de ouf. Bon, à la limite, comme tu laisses conduire. De... Bah, pourquoi que fais tu prennes récidive, ouais. Attends, fais voir. Ouais, de toute façon, mais en même temps, j'ai délit de fuite et vol de bien donc. Oui. J'ai envie de te dire. En vrai, oui. En vrai, faut que tu partes à pied et moi je suis pas. Moi, je fais les deux en fait. T'es juste dans la voiture. Oh, putain, ouais, t'as mis les zip et tout. Quartier sud, Little Soul, l'espoir. Putain, mais t'en as vu. Oh, mais il y en a tellement en fait en ville. Il y en a tellement. Oh, c'est incroyable. Il y en a 3 dans le Corse. Ah ouais. Ouais, mais par contre, le Corse. En fait, à part avec la Sanchez. Bah ouais, mais. Est-ce que le faire en Sanchez, c'est pas un peu risqué, tu vois ? À pied et Sanchez. En vrai. En vrai, à pied. Ouais, à pied et un spotter en bas avec une voiture. Et c'est fini. Oui, oui. Peu importe. Ouais, en fait, le mec se gare à l'entrée du court, ou même en face, tu vois. Et parking univ. Ouais, de ouf. Et voilà pour vous. Ouais, je vais payer pour le street tour. Et bah, c'est pour vous. Et Simir. Si, il y en a 2 dans la maze. Dans... Ah ouais? Ouais. Putain. T'as une petite salle où tu peux rentrer, il y en a 2. Putain, mais du coup, en vrai, bon, on aura plus de place pour les crochets en rab, mais on s'en bat les couilles. Hein. Bah oui, oui. Mais en vrai, on peut tenter celle du Cortes après là. Ouais, vas-y. On fait qu'on range le straighter et on. Ah, ouais. Faudrait d'abord que je passe au Black Cat vite fait. T'as dit, je vais payer là. Et c'est tout bon, c'est pour qui la facture, je me suis dit. Oui, c'est pour moi, je vais la prendre. Ouais. Je t'ai pété le straighter. Ouais, c'est vrai, on équilibre. Alors. Et 225, s'il vous plaît. Et voilà, merci. Merci à vous, passez une bonne soirée. Bonne soirée. Mais. Non! Vas-y, attends, vas-y, avance. Tu vas finir dans un asile. Voilà, je débarque avec style pour te la mettre au fond. Patience zéro, car il t'aime fragile. Ce soir, c'est moi qui donne des sons pour une fois promis. Je vais pas être vulgaire, juste lire mon avenir pour quand tu seras plus commissaire. Uniforme rangé, car peu de professionnel. Divorce anticipé, mais pas de garde paternelle. Ça peurait dans ton canapé, tu pleures ta rupture. Je te ferai prononcer dernier soupir. La bavure. C'est la bibiche. C'est la bibiche. Je veux voir toutes les bibiches qui sont en vous là actuellement. Let's go, tequila là. Yes. Bibiche, 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 bibiche gang. Rien à prouver. Pendant ce temps, notre vie perd savoure l'instant. J'avais pas quoi en penser. Tant d'énergie pour me détester. Délesté, détestable. Mais mon talent incontestable. Intesté, respecté.
de la bibiche. Ton esprit s'ouvre et ta bouche se ferme. Si je dis ich, je dis bidiche. C'est moi qui l'ouvre, il prendra du ferme. Check ma doctrine. Je sens pas ton truc qui traverse ma poitrine. Je fais ça clean. Faire jusqu'à la mort, promis, Mister Green. Casse en deux. Je te casse en deux. 600 œufs. Je te casse en deux. Casse en deux. Tout le monde sur le frein, je veux vous entendre. Let's go. Avocat sur de la bibiche. Avocat sur de la bibiche. Avocat sur de la bibiche. Bibiche, 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 bibiche. Avocat sur de la bibiche. Avocat sur de la bibiche. Avocat sur de la bibiche. Bibiche, 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 bibiche. Yeah. J'ai grandi dedans. Maintenant je le sens. Cette soif naissante. Je veux mon temps. Casse en deux. Je te casse en deux, 602, invocation de la bibiche, invocation de la bibiche, invocation de la bibiche, bibiche, bibiche. Est-ce que mon intra est toujours pété ou pas? Et je passe à la porte déposer quelques billets. Ouais, tranquille, tranquille. De ces billets, il y en a genre 667 qui sont pas à nous. Ok. Tu comprendras jamais l'objectif, plus rien à ajouter. Pas besoin de motif pour m'expliquer. À cœur ouvert, c'était le premier, plus rien ni personne pourra m'arrêter. On l'attend tous, cette madness douce vient m'étouffer. Allez, c'est le dernier refrain, on y va tout le monde, let's go, let's go. Oui, au final, le coffre, c'est bien 50 ans, kilos. Le coffre de quoi? De l'appart, là, je sais plus avec qui hier on disait que c'était 30. C'est avec toi? Je sais plus. Au final, c'est 50, là, dans l'appart. Oui, oui, c'est 50, mais c'est ce qu'on disait, on peut mettre 500. Ouais. De liasse. Ouais, c'est ça. Le mec il se faisait contrôler ici tout à l'heure. On était à la station juste devant là. C'est la TM. Tranquille. Black 4 du coup? Ouais. Vas-y. Moi je vais essayer de rester assez léger comme ça. Si jamais j'ai besoin de prendre 50, je peux. Bon, en même temps, 50 ça pèse que dalle. Ça pèse quoi, ça 5 pèse... kilos? Ouais, 5 kilos, mais quand même. Enfin, j'ai pas besoin de plus quoi. Après, est-ce que les trucs du Quartz vont être remplis? Je suis pas sûr. Hein. J'ai quand même essayé ce matin et ils étaient. C'était ce matin et hier soir, je sais plus, ils étaient vides. Mais c'était vide, ouais. Le truc que j'ai remarqué dans... quand je les ai comptés, du coup, c'est qu'il n'y en a aucun quartier Vespucci. Enfin, il y en a très peu. Bah hier on avait déjà cherché tous les deux, on en et avait côté vu de la aucun, plage quoi. Là. Et sur la plage il y en a même pas? T'es allé voir? J'ai checké vite fait et non, il y en a ouais. Pas. Ouais, vas-y. Je me speed. Capable d'assumer leurs péchés, aucune devise, changer de couleur, c'est la nouvelle criminalité. Ici, le seul que je respecte, c'est Capone. MC et Mia, les gangsters qui tâtonnent, veulent tout savoir de véritable madone. J'espère qu'un jour vous fumerez ces cablones. Oh putain, écoute, tu sais pas quoi, il paraît que B est mort. Ah. Bonjour. Hey yo, il me faudrait 15 oranges 4 et 8 burgers, s'il te plaît. Attends. Ce sera avec quel nom, s'il vous plaît? TJ. Et ça fait un total de 620 $. Ah, ça roule. Petite facture.
juste intronisé. Mais pourquoi ça se finit déjà? Y'a pas moyen de prolonger. J'arrive, vous cherchez ça. Ouais, nickel. Ah oui, pour info aussi. Bon, y a pas grand monde, mais c'est pas grave. Je vais changer de PC incessamment sous peu. J'ai craqué. Mais quand je dis j'ai craqué, c'est j'ai craqué. J'ai un pote qui est préparateur de PC, donc qui avait une config sous la main aux petits oignons. Et moi, je garde juste ma carte graphique et mon alim, mais c'est du lourd. Ah non, c'est pas toi le préparateur, c'est un professionnel. Et nickel, mec. On vous souhaite un très bon après-midi. Ouais, la bonne après-midi. Ciao. Au revoir. Non, c'est un pote qui joue à WoW et en fait, il a une entreprise de... En fait, il monte des PC, c'est son travail. Il est monteur et préparateur donc de PC, mais ultra vénère. Hein. Des PC water cooling et tout, etc. Et là, il m'a sorti un PC qui se servait, qui est d'occasion en fait. Mais les composants ont 3 mois et il est déjà au petit et tout, donc fine kill. Attends 2 secondes, je passe un appel. Coup, mais par contre, toute la journée au téléphone là, c'est chiant de ouf. On va t'appeler secrétaire. Par contre, il y en a pour de la thune, mais oui, en même temps. Tu veux venir prendre les billets du coup? En même temps, ça fait un moment que j'ai mon PC, que il commence à fatiguer, que je repousse alors que j'ai les moyens. Mais où, je me freine alors que là, vas-y, c'est bon. Et moi, je suis au Black Cat, mais je les ai pas sur moi, je les ai posés à l'appart. Donc, si tu peux venir vers l'aéroport là. Ouais, c'est ça. Vas-y, à deux. Bon, Nighty, tu joues toujours sur le serveur ou pas du tout en ce moment? Ok. Du coup, je dois partager les billets et les liasses qu'on a fait. Ah oui. Elle passera pas les 200. Hein. Elle a pas envie. Ouais. Vous pouvez revenir là, le launcher m'a dit nick. C'est-à-dire quoi? Ah, t'as perdu. À part le quartz, tu peux regarder les points sur le tableur là. Ah, d'accord, ok. Ah oui, donc t'es obligé de. Ouais, t'es obligé d'attendre. Il y a quelques doublons avec. La fin de tes vacances pour pouvoir rejouer. Banque, mais. Oui, parce qu'il y en a deux. Ouais, de toute façon, le bot t'envoie un message. Moi, c'est comme quand j'ai fait ma procédure de reroll. Ouais, t'as eu raison. Ouais. Parce que c'est des ATM qui sont assez spéciaux aussi. Ouais. Bah, nous, ça braque des voitures et des ATM en ce moment. Parce qu'on a découvert hier qu'on pouvait taper des ATM. Ça, donc, j'ai cherché ça, je reviens. Mais ouais, moi quand j'avais eu ma procédure de reroll, j'avais reçu un message du bot à je sais plus quelle heure. Ouais, les bagnoles c'est pas mal, c'est sympa. On donne des bonnes bagnoles, ça fait des CP, de la conduite rapide avec des voitures stylées. Et là, les ATM c'est pas mal. Bah, c'est les supérettes des petites mains quoi. Que là, vu que les supérettes ils font un 9. Ouais, je suis tout le temps au tel aujourd'hui, c'est chiant de ouf. Oh putain, terrible. Ouais, moi aussi, c'est parce que t'as charbonne, non? Ah, d'ailleurs, putain, ah, oui, bon, pour le moment, on en a pas besoin, mais on avait oublié de demander aux Aztecas s'ils avaient un contact chez les Vagos pour l'appartement, ouais. Tu vois. Ouais, ouais. Bah, là, s'ils peuvent nous prendre 330 liasses plus 50 000 à blanchir, on va pouvoir se poser des questions sérieusement ce soir. Hein. C'est-à-dire? Bah, sur l'achat de l'appart. Ah oui, carrément. On va pouvoir le considérer, quoi. Oh, de ouf. Est-ce que t'es à combien, là, toi, sur ton compte? 30 000 31, ouais. 31, moi, je suis à 45. Ouais. On a 48 à blanchir. Un peu moins, non? On a 50, là. Ah oui, 50. Plus les liasses. Putain, en vrai... Les liasses, c'est du propre, du coup. Enfin, ça serait 115 propre. Ah oui, putain. Par liasse. Oh là là. Ouais, je sais pas quand est-ce qu'ils vont reprendre ça. Bah,
il va falloir de la liquidité pour les casse-là. Surtout qu'en plus, on est des gros enculés parce que nous, on est là hier en mode allez, c'est parti. Et non, mais moi, les keufs, attends, j'ai rigolé. Les keufs, ils me font du coup, vous savez quoi en faire maintenant? Je lui dis, oh bah non, toujours pas. Moi, je stocke hein, tant que j'ai de la place. Ah, après, ils vont dire, bah vas-y, vous stockez. Bah ok, on va venir perquis. Bah, pas pour des liasses. C'est pas. Attends, je crois qu'ils font des perquis. J'avais regardé un peu le code d'infraction des peines. Là. Ils font des perquis vraiment que quand il y a un truc, genre vraiment très très grave. Ah ouais. Ouais. Il y a comme des connards alors. Ouais, non, mais là, braquer des ATM. Mais là, ça me saoule, j'ai plus accès à mon. L'intra ? À mon intra, ouais. J'ai envoyé un message aux techniciens, ils vont me maudire, j'arrête pas de faire des remontées, là. Et des fois, c'est nécessaire. Ouais, de ouf. Ouais, du coup, les kits de crochage. Bon, nous, par contre, en fait, vu pour le business de voiture des indépendants, du coup, on a un PNJ qui nous donne le crochet pour les voitures. De la plage. Non, c'est lui. Et si, si le crochet, en fait, si la voiture rate ou quoi. Non, mec. Nickel, merci. Attends, tu taffes avec Ethan là ou pas? Ouais, on vient d'arrêter là, pourquoi? J'ai essayé Elias aussi. Tu l'as pas. Je le revois peut-être ce soir. Je peux te les filer? Ouais, si ça te prend la tête. Vas-y, je vais les chercher. Bon, du coup, ça taffe. Ouais, ça taffe fort. Faites quoi, voiture plutôt ou ATM? Voiture, ATM, ça dépend. Ouais. Bon là, apparemment, les flics, ça y est, sont de nouveau chaud sur les ATM. Bah, je me suis fait arrêter là tout à l'heure. J'ai pris vol de biens et bon, délituite parce que je me suis barré avec la voiture. Et j'ai pris combien? J'ai pris 1500 d'amende. Putain, genre Ethan, là, il vient de se faire choper. Il a pris destruction de biens privés, public. What? 1700. Et 7000 la max. Non, mais ils font nimp entre eux. Moi, le keuf qui m'a arrêté, qui m'a mis l'amende, il a téléphoné, il a appelé, j'ai entendu, il a appelé un gradé, c'est un capitaine. Et du coup, il lui a demandé qu'est-ce qu'il mettait comme amende. Du coup, il m'a mis délit de fuite et vol de biens. Mais apparemment. T'as pris 1200 sur le délit de fuite? 1500. Putain, abusé, moi je prends 3000 à chaque fois sur le délit de fuite, nick. Bah après. Il y a plus de caissier. Je crois que c'est ma deuxième amende ou troisième amende, je crois, un truc comme ça. Ah ouais, d'accord. Donc, oui. Parce que sur la semaine, moi, je suis à moins 30 000, là. Ah oui, d'accord. Ouais, non. Non, j'en suis pas encore là, ouais. Je sais pas, là... si les tarots sont bons sur les ATM, je fais ta plus 10... En tout, plus 10 000. Ouais, ça va. Mais, ouais, putain. Mais après, j'ai pris tous les radars, j'ai abusé, j'ai pris les amendes, j'ai pris les multirécidives. C'est ça de conduire en révoltaire. Mais oui, c'est la révoltaire là, putain. Ah oh bah oui, là c'est compliqué, oui. Ah, Voltaire, tu vas pas rouler au régulateur avec une révoltaire. Ouais. Hier, j'ai pris, en l'espace de 5 minutes, 4 fois le même radar. À $500 à chaque fois. Mais putain, c'est bien ça, quand c'est Karine qui conduit. Bah disons qu'elle a les fonds pour faire quoi. Ouais. Pas les mêmes fonds. Hein. Mais là, ouais, c'est cool, là, si on commence à avoir des tarots, ça fait plaisir. Après, les flics sont chiants, quoi, ils sont taqués. Toi, t'as pas eu de nouvelles sur les tarots de ton côté? Non, aucune réponse de qui que ce soit. Ok. J'ai même essayé d'appeler les Aztecas, c'est personne qui répond chez eux. Enfin, de son côté. Enfin, tu t'as fait avec qui C'est pas indiscret? Moi? Ouais. Ouais, j'ai un peu avec tout le monde en vrai, genre. Ça dépend qui est là, qui est pas là. Bah, si jamais t'as l'info, y a une Buffalo noire des keufs qui tourne aussi en ville. Ouais, je lui ai dit tout à l'heure, ouais. Oh, il faut chier. On les a vus place des cubes. Par contre, question, s'ils sont bien payés, les Elias, ce qui serait intéressant de voir, c'est aussi s'il y a une revalorisation des sacs de Ginette. Bah, c'est exactement ce que je disais, ouais. J'ai reçu mon salaire. Parce que quand tu vois qu'il faut un 9 mm et tout... Bah, c'est ça, c'est pour ça que pour moi, de base, ça allait être 25 le sac, quoi. Ah, mais moi, pour moi, ouais, l'Elias, ça allait être 25-50 max, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc là, à mon avis, ça va être une grosse revalorisation si c'est ça. Ouais. Après,
après, il n'y a plus personne qui en fait, quoi. Donc, ça va revenir petit à petit. Je pense que ça va s'équilibrer au fur et à mesure. C'est ça. En vrai, s'il y a une bonne revalorisation, c'est bien. C'est... Enfin, toute la petite crimée, elle va s'équilibrer entre les bagnoles, les ATM et les sup. C'est ça. Puis les keufs, ils seront moins excités aussi. Ils auront un peu plus l'habitude. Sera... Les bagnoles, on pourra tester des gens dessus avant de les amener sur des ATM, quoi. C'est ça, ouais. Le problème des ATM, c'est quoi là, en fait, c'est... Je sais pas combien de temps il faut pour qu'ils soient remis en service. Manuellement, hein. Ouais, remis en service. Je sais pas. Manuellement, je pense. Je sais pas, ouais. Je crois que c'est quoi, c'est genre on doit attendre que G6 repasse et le remplisse ou que les réparateurs ils réparent. Je pense que c'est ça, du coup, je pense que c'est plus compliqué, ça va être encore... Attends, G6, ils vont péter un plomb. Bah on va dépendre sur G6, hein, on va mettre des coups de pression à G6 pour qu'ils fassent leur taf. Ouais, après G6, ils font grève, nickel. Bah oui, mais personne peut retirer de la thune sauf aux banques, quoi. C'est ça. Mais ouais, à voir. Après, c'est pas mal, hein, faut, ça nous fait spot aussi G6, quand est-ce qu'ils sont là, sur quelles horaires ils passent, truc machin, c'est pas mal, ouais. Ouais, ah, c'est vrai. Ouais, on verra tout ça. Hein. Quels ATM, là, juste pour savoir? On en a fait une là au niveau des, de la triplette là, des triplettes sup. Sur la Great Ocean. Ouais. Et c'est là où il a pris une pression là de je sais pas qui. J'aimerais bien savoir qui c'est. Une pression? Ouais, des mecs qui étaient en train de braquer Gigi et qui sont venus à 9 mm en mode ouais, t'appelles pas les flics. Et il était en mode ouais, bah je suis en train de braquer un ATM, je vais pas appeler les flics. Ils font ouais, non, mais je m'en bats les couilles, t'es au téléphone, j'en sais rien et tout ça, blablabla. Ouais, d'accord. Mais je sais pas s'ils sont, comment dire, si maintenant ils ont des alertes par rapport à hier. Je pense que oui. Ils sont venus sur la Palomino, ils ont parce des que... alertes. Hein. Ouais. Bah, parce que moi j'étais sur la Palomino en train de braquer. Bon, après il y avait le Beniz, mais en vrai ça m'étonnerait que le Beniz, je sais pas si c'était Beniz ou Zombie, mais ça m'étonnerait qu'ils appelaient les keufs. En vrai ça peut être quelqu'un de très chiant qui travaille là-bas, qui se fait vraiment chier. C'est possible aussi, tu vois, un syndicaliste, quoi. Mais après non, ouais. Ouais. Là, il s'est fait spot aussi Ethan, alors qu'on s'était pas fait spot. Hein. Ouais. Après, il y a déjà des mecs qui m'ont appelé comme quoi ils s'étaient fait spot. Donc, Quand ça, aujourd'hui ou hier? Hier. Ouais, moi aussi, on m'a dit qu'il y a des gens qui se sont fait spot hier. Non, mais après, peut-être ils étaient occupés hier aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai un groupe avec qui j'ai discuté hier qui me disait le nord, ils étaient au taquet, le sud, il y avait rien. Il y avait pas de flics. Bah, nous, hier, ouais, on a fait. Hier, s'est on amusé, a fait, bah, hier, on a fait 400 sacs. Nous. Ah oui. Nous. Bah nous, on avait 500, mais parce il y avait, que, il y avait un ATM un peu trop profond, quoi. T'as vu l'ATM qu'on a fait tout à l'heure? Les flics qui sont passés devant, ils ont rien dit, hein. Ouais, non mais nous, on a eu un ATM très grand, quoi, avec beaucoup de brûlures. Ouais. Non mais ce que je veux dire, c'est peut-être que là, tu vois, on a peut-être pas de chance sur les deux où on s'est fait choper, hein. Regarde, celle où je me suis fait choper par la keuf là, et que vous avez fait la thème pendant que je m'étais fait choper. Bah là, je pense qu'ils avaient pas d'alerte. Hein. Bah ouais, ils sont passés devant. Ça roule, Nathy, des bisous. Bisous, Fred. Ouais, vas-y, nous, on va tester dans des spots un peu. T'étais très beau gosse à ton mariage, j'ai vu des photos. Alertes, là. Ouais, croquer le cul. Je pense que le top, c'est le nord. Allez, des bisous, la bonne. Ouais. La bonne fin de soirée. J'en ai 70 à peu près des ATM là, sur mon truc. Ouais, nickel. Sans compter ceux de Paléto, où il y en a 5 ou 6. Donc, ouais. Mais c'est pas mal, hein. Ça fait du bon bis. Après, ça devenait compliqué, là, le bis, hein, dans la crémie. Ouais, voilà, bah, que des voitures, pas de dope. Ouais, c'était compliqué. Ouais. Même pour faire de l'argent, vu que les flics étaient là non-stop, ça... je veux dire, hein, moins 30 000, moi, ça fait 7 mois que je fais de la crémie, c'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Ah ouais, chaud. Ouais. Bah, nous, en fait, je sais pas si c'est une chance, parce que nous, on a commencé il y a une semaine à peu près, une semaine et demie. Un peu plus d'une semaine, ouais. Ouais, un peu plus d'une semaine. Bon, c'était un peu galère pour avoir de la dope, on a quand même réussi à avoir un peu, même si vers la fin, ça a été compliqué. Puis après, il y a les voitures qui sont arrivées juste derrière, donc on a vu qu'on pouvait faire quand même du bif en bossant bien avec des gens ou à deux et tout. Et puis bah là maintenant il y a ces histoires d'ATM là, donc en vrai ça, j'ai il y a un regain un peu de de petite criminalité, on va dire, la problématique des bagnoles, c'est quoi là, ils sont là non-stop, quoi, ils cassent les couilles. Avec les ATM, je pense qu'ils vont être un peu moins là. C'est ce qui serait si ça bien. Enchaîne les ATM, ils vont être moins là, quoi. Bah en fait oui, c'est ça, il y aura plusieurs choses en même temps et ils pourront pas jamais être partout, tu vois.
Après, il y a un moment, ils vont se faire taper dessus par les petites mains aussi. Hein. Là, ils font les fous parce qu'ils savent que les petites mains, ils tapent pas trop. Bah, c'est ça quand on. Il la joue pas comme ça avec les groupes. Hein. Bah, quand on va commencer à en avoir un peu marre et avoir les moyens d'encaisser peut-être des amendes ou du matos, bah oui, on va c'est peut-être ça, hein. Être moins indulgent. L'agression à main armée, c'est 10 000. Hein. Ouais, c'est ça, quoi. Et au moment. Moi, je connais des petites mains qui ont régulièrement fracassé du flic, coup de machette et tout ça. Hein. Ah oui. Ah oui, j'en connais une, chaude de ouf. Mais. Et juste parce que le flic avait un mauvais ton. Ah oui, d'accord. Il y a des points sensibles, alors. Il y en a, faut pas les faire chier. Le flic, il a commencé à vouloir rire avec le flic, il a pris de haut, il a pris un coup de machette, ça fait tout drôle. Oh, putain. Mais ouais, là, le fait que t'es encore en train de crocheter, qu'il soit déjà là, vas-y, casse les couilles, ils sont sérieux. Là, tu, ouais, en vrai, si t'as pomme sur les bagnoles, on n'est pas rentable. Hein. Ouais, clairement pas. Moi, c'est je crois que je rembourse à peine l'essence. C'est ça, non mais. Ouais, alors que. 5 pleins à 100 balles. Dimanche, nous, on a bossé tous les deux de quelle heure? De 10h à. Jusqu'à tard. Hein. Oui, on a fait 10h, midi et demi et 15h, 18h30 à peu près. On a fait 70 000. Quelque chose comme ça. Encore En salle. En bagnole. Ouais, ouais. Ouais, que des voitures. Oh, putain, vous avez carburé. Ah oui, non, mais on. On a eu que genre 2 voitures qui étaient pas là, non 4. Ouais, et 0 flic. Ouais, si, je crois qu'on a eu les keufs une fois, non? Bah, genre 2 ou 3 CP gagnés, quoi. Ouais, CP, et puis. Ouais, toi t'as une CP. C'est toi qui as eu des CP, moi j'en ai aucune. Moi j'ai dû me barrer à pied. Ouais, ouais c'est ça. Mais, ouais, mais sinon, ouais, après on a charbonné, on n'a pas eu trop de problèmes, donc en vrai. C'était dimanche, tu vois, donc. Et je crois qu'à la fin, hein, c'était tellement drôle. À un moment, on a croisé une patrouille de keufs et en fait, il y avait deux LSPD et un BCSO dans la même voiture. Donc, c'est ça. Donc, on s'est dit, on peut avoir de la chance. On n'était pas les seuls à bosser, on le savait. Donc, ouais, on en a bien profité. Quoi. C'est ça. Puis après, le top, c'est le nord. Le sud, chier. Et encore, ouais, j'ai dépend plus des endroits. La pose Vainwood, là. La pose Vainwood, putain, quel poste de merde. J'ai pas eu moi la pire la pire que j'ai eu où je me suis fait arrêter c'était ponton du Black Cat. Ah oui la première ouais, ponton du Black Cat je me suis fait arrêter et après qu'est-ce que j'avais eu j'aurais même pas tenté moi sur le ponton du Black Cat. Moi je m'en bats les couilles j'y vais tu vois j'y vais. Ouais, et après il y avait 90-07 aussi il fait trop attention à son Black Cat ouais. Et 90-07. Après j'avais c'était à côté de la maze là où ouais. J'ai une voiture de keuf qui a voulu faire un barrage mais j'ai réussi à esquive enfin c'était chaud. Chaud. Non putain j'aimerais bien que ça reprenne vite les dias moi parce que j'ai en fait le problème c'est que je peux plus bosser quoi. Pourquoi oui, t'as plus de place plein, là. J'ai plus de place non. Ah bah yes. Je suis fou là donc en fait je peux juste pas bosser. Dans une chambre d'hôtel ou dans Je suis dans une chambre d'hôtel. Jusqu'à là, ça m'allait parce que c'était 50 kilos. Et en fait, j'aimais bien cette chambre d'hôtel-là parce que c'est celle. Merde, comment. En 90-52. Ah, c'est à côté de la station-service, ah, oui. Là c'est la côte. Et en fait, tu peux passer par derrière. En fait, c'est un espèce de renfoncement. Où, en fait, tu poses ton véhicule et t'es plutôt tranquille. Tu vois, là, par exemple, t'es un peu avec tous. J'aime pas trop. Bon, après, là, nous, on fait pas de déchargement, donc en soi. C'est ça, moi je faisais pas mal de sup. Donc en fait, j'ai ma mule dans laquelle je dois poser tous mes sacs de sup, etc. etc. C'est pour ça, nous pour enfin, nous, notre point de vue, la chambre d'hôtel, c'est juste vraiment pour avoir un petit stockage, mais pas faire de déchargement, tu vois. Donc en soi, on s'en battait les couilles. Puis là, en plus, tu vois, la dernière fois, il y a eu une banque là, qui a duré bien longtemps, on avait acheté 100 dopes et puis on faisait des allers-retours là, et on a vendu 100 de coke, 100 de weed en une heure. Bah, même pas, ça, je crois. À deux, à vélo, là, en plus. Donc, ils sont pas là, les flics. Dès qu'il y a une banque, faut se faire plaisir. Hein. C'est ça, hein. On a dit, c'est money time. Mais ouais, faudrait que je prenne un truc plus grand maintenant, mais je sais pas ce que je vais prendre. Ah, nous aussi, on y pense. Si on a la thune... La thune, après, ça dépend combien de temps, mais ça peut ne pas être très cher, tu vois, genre, rien qu'un... Ouais, tu vois, le nord, ça m'emmerde. Aller dans le nord, ça me fait chier. Oui, c'est ça, il y a des trucs à 130 ou 180 000. Ça... Mais faut qu'ils reprennent l'Elias, quoi, les mecs. Faut
Bon, mais ça va se faire petit à petit parce que regarde, si tu regardes, t'as tout le monde qui va en stocker. Tu vois, imagine les petites mains qui ont des chambres d'hôtel, bah ils en stockent. S'ils sont full, t'en stockes 500 par personne. Oui, ça va faire, ça fait beaucoup, tu vois. En fait, ouais, mais la problématique c'est que en fait, ils vont être saturés. Oui, bah, c'est ça. Ouais. Ils vont être saturés au début, donc en fait, ça va bloquer. Je sais pas comment ça se passe à cette chambre. Bah, on verra bien. Faut qu'ils nous laissent stocker nous. Enfin, tu vois, de leur point de vue, il faut qu'ils nous laissent stocker nous. On attend, tu vois. De leur point de vue, il faut qu'ils prennent petit à petit. Hein. C'est même pas ce que je ferais. Moi, je baisserais les prix. Ouais, pour se faire plus de marge pour eux. Bah, ils vont se faire plus de marge. Il y aura potentiellement moins de monde qui viendront, en fait. Ou tu vois, ils viendront pas, ils courront pas portés comme ça, tu vois. Ouais. Genre, tu commences à baisser les prix. Comme ça, les gens font moins d'ATM. Et puis, quand tu as absorbé la totalité de ce qui était stocké par les petites mains, tu augmentes les prix. Ouais. Moi, c'est ce que je ferais. Bah, ou tu mets des paliers, quoi, en fonction de. Ou tu mets des paliers. En fonction de la solidité des gains. Il n'y a pas beaucoup de monde qui met pas de paliers sur l'une au niveau en termes de groupe. C'est souvent des prix fixes. Ou alors, il faut que tu travailles très longtemps avec eux. Mais bref, ouais, ça amène à bouger, je pense. On verra. Hein. On verra, oui. Nous, on va aller taffer, on va aller voir ce que ça donne les ATM. On va en profiter un peu, là. Ça va, vous avez encore de la place ? Un peu, oui. On a de quoi stocker 200, là, à peu près. 100, 150 au moins. Ouais, ça... Moi, en fait, le problème, c'est que je stocke aussi pour Ethan. Oui, c'est ça. Là. Après, si vous avez taffé ensemble, on sera... ça va, quoi. Bah ouais, mais ça me bloque sur le taf, quoi. Après, voilà, il y a... En plus, c'est lui qui a braqué, tu vois, je vais pas faire de l'erreur, il y aura... C'est lui qui a pris les risques. Hein. Le pauvre, il a pas encore d'appart. Tu me diras, il pourra prendre son appart avec ça. Hein. Attends, là, du coup, je lui ai fait un virement, et il s'est repris une amende par-dessus. Ouais. Il s'est pris 1700, ça va. Du coup, il est encore en négatif. Il y a moyen, ouais. Après, là, ouais, lui, il doit... On a, là, par tête, là, avec ce que j'ai chez moi, on a 237 sacs par personne. Ça vous fait quand même pas mal de sous, même pour lui, ça va lui permettre de remonter. Ah bah lui, ça va le remonter fort. Hein. Je crois que c'était compliqué pour lui. Hein. Et après, ça se trouve, 115, c'est un des plus bas prix hein, par rapport à ceux qui font les reprendre. Je pense pas. Je pense que c'est trop bon pour moi. Oui, peut-être, mais c'est jamais. Hein. Je pense que... Mais il t'a pas donné de timing sur quand il pourrait reprendre ? Non, non. Il faut qu'ils aient les fonds aussi. Bah oui, c'est ça. Je pense que tu vois des mecs assez récents dans le groupe, ils ont pas forcément les fonds pour sortir 30 000 comme ça, 30 000 à droite, à gauche. Bah et puis même le groupe, hein, je suppose que c'est comme le Blanchi. Du coup, ils leur font un timing pour... En fait, ça va... au début, ils sont entre guillemets à perte. Il faut le temps que ça ressorte en argent propre pour eux. Ouais. Et je sais pas combien de petites mains ont fait des trucs, mais tu vois, si... Chaque personne arrive avec 250 sacs, ça, Elias. On comprend que ça va leur faire ça fait beaucoup, un gros coup sûr. Là au niveau du porte-monnaie. Bref, moi je vais vous laisser bosser, moi je vais faire une pause là un peu. Non, ça roule. Ouais, ça marche. Bon, allez, bon courage, les gars. Ouais, toi aussi, à plus aussi. Tard. Bonne soirée. Tu veux que je conduise ? C'est toi le pilote, hein? Et je te mets un point en corte. Oh, le fils d'up. Bon, mais j'en peux... J'en ai marre. Je crois que les gens ils aiment trop faire ça aujourd'hui. Attention au radar là, si tu coupes. Ouais, t'inquiète, je. Après, je vais pas couper là. Ouais, le mec là,
Le mec c'était James, je crois que j'ai son j'ai mis son numéro, ouais c'est ça. James Thomas 7794. Ouais, ok. Il est sur la compta. Ouais, c'est le mec qui m'a qui a filé mon numéro à la pieuvre. D'accord, ok. Ah, c'est un autre Thomas que, comme on est comme tu m'avais dit quoi. Ouais. Mais lui il est carré honnêtement. Il ouais, a ça pas a mal l'air, de contacts ouais. aussi donc. Ça a l'air aussi. Ouais. Là, l'autre Thomas, il doit faire des, ATM à la CA. De ouf. Ah putain. Et ce matin, je me suis levé vite fait, j'ai tourné pour aller au Black Cat, répa les caisses et tout, et ça tournait déjà sur les ATM. Bah, tu m'étonnes. Alors, je voulais faire celui de la rue piétonne, là, il y a une berline noire, tout vite teintée, qui m'est passée devant, qui sont pas passés en premier aux ATM. Il y en a plein aussi au centre-ville. Hein. Downtown, là, c'est blindé. Il y en a sur tous les bâtiments. Ah ouais? Ouais, ouais. En même temps, tu les vois pas tout le temps parce qu'ils sont derrière des pylônes ou des trucs comme ça. J'ai vu ce que t'as mis, mais putain, la liste est longue, quoi. Bah, tu vois, là, en vrai, tu te mets parking et c'est plié, quoi. Ah, il y a un radar à gauche. Oui. Attends. Bah, plus de 70 ATM. Hein. Et je pense pas avoir tout compté. Bah, ouais, bien, non, mais c'est sûr. Masque direct. Juste là, tu me déposes au rond, là. Ils sont où les ATM, la porte. Du coup? Ils sont juste à l'intérieur. Hein. Ok. Vas-y, pour attends que... Ah ouais, putain, ouais, ouais. Là, attends que je sois en bas, du coup. Ouais, c'est bon, je crois qu'on essayait de s'appeler en même temps. Je pense aussi, ouais. Vas-y, je commence. Ouais, vas-y, tranquille. Je vais essayer de mettre quand même. De toute façon, s'il y en a un qui braque pas, j'essaye l'autre. Vas-y, moi je suis en place. Ça braque. Nickel. Le premier, il braque. Nickel. Attends, je coupe la musique dans mes écouteurs. Après, tu te planques à pied dans le court. Je crois ouais, que d'ailleurs, que tu peux même traverser le court. Hein. Ouais, c'est ça. Et je ressors point Y. Avec le chemin de randonnée. Ça sera un peu long, mais tu peux. En vrai, c'est safe au moins. Après, ils peuvent s'attendre à ça aussi, hein, les keufs. Comme tu le sens. Bah, moi, je suis juste un randonneur. S'ils viennent par le chemin de randonnée, j'ai le démon. My pof, s'ils ouais, viennent non, en BF mais... par le ouais, chemin. Ouais, en BF, oui. En vrai, le temps, si je les vois arriver, le temps qu'ils, en fait, qu'ils rentrent dans la montée, t'as le temps de te barrer. Ouais, c'est ça. Putain, un petit... Putain, t'imagines là, 50 lias à 110, là. Putain, c'est tellement rentable de ouf. Bah après, on va, comme tu disais, on va le remplir et puis basta, quoi. Bah oui, oui. Enfin, on va remplir la caisse. Mais c'est pour ça que ça va être... On va avoir vraiment besoin d'un appart. Ouais.
Tu vois, pour le moment, on n'avait pas besoin de stock parce qu'on n'avait plus besoin d'acheter de dope, mais là, ouais, l'Elias... Et je pense que même si on n'a pas trop de liquidités, on le fait. On braque, enfin, on achète. Je pense. C'est vide. Eh ben, écoute, 35. Vas-y, essaie de braquer l'autre. Vas-y, il n'y a personne. On n'attend pas un peu Écoute, hein, tant que t'y... Tant que l'autre. La petite triplette, là. Ah bah, écoute, hein. Et ça braque. Oh putain. Ouais, on est, comment dire, on rentabilise. Et il y a 3 dabs, il y a 3 dabs. Hein. Oui. Attends. C'est bon, hier on avait un dab sans fond là. Bon, c'était un faux sans fond. Alors, on se rattrape. Par contre, faut qu'on calcule parce que. On n'aura peut-être pas la place de... T'as dit, il restait combien de 150 de quoi, mettre 150 liasses, à peu près? Ouais. Entre 150 et genre 180, quelque chose comme ça. Ah, ok. Je dis 150 pour être safe. C'était combien la chambre d'hôtel? C'était 25 000. 25. Ah, ok. Et tu sais quand on l'a acheté ou pas? Non, pourquoi? On peut se prendre un remboursement, enfin genre une prime de 15% de la valeur du logement. Bah ouais, mais il vaut mieux le faire sur l'autre si on achète un appart. Non, parce que ça va pour des mecs qui sont pas en entreprise ou en service public, ça est valable que sur les chambres d'hôtel. Ah oui? Bah écoute, si t'as le proprio, faudra que tu le fasses. Hein. Ouais, mais c'est valable qu'une semaine après l'achat. Enfin genre... Bah c'est, faut que tu regardes quand est-ce que t'as payé la... Ouais. Tu regarderas sur ton intra quand est-ce que t'as payé la taxe d'habitation. Je crois que tu l'avais payé le jour même, donc... C'est dans les une semaine, que pour les chambres d'hôtel, pour les gens qui ont pas de taf, c'est ça? C'est ça. Et tu te fais rembourser quoi? Bah tu te fais payer 15% de... Grosse prime de 15%, ouais, donc 3700 balles. Bon, c'est toujours ça, ouais. Hein. Un petit budget radar de... Bah deux jours, ouais, c'est ça, ouais. Un jour de radar gratos, hein. Ah de ouf. Bon bah pour le moment toujours rien. Ah je passe au troisième. Bah vas-y hein. J'ai quoi comme place sur moi? Oui ok j'ai la place. Je suis à 80. On est 45 dans le deuxième. Tabac. Nickel. Bon, si je me fais choper avec autant, ça va être chaud. Je pense pas que ça change grand chose. Hein. Parce que je pense que si les pros qui taffent dessus, ils vont aussi mettre une. Ah, par rapport à la quantité. Par rapport à la quantité, ouais. Bah, comme les sacs. Et je crois qu'il y a les sacs, t'as vu, il y a des trucs à l'unité en fait. Ouais. Bon, pour le moment, RAS. Hein. En vrai, une fois que t'as fini, tu passes par le chemin en terre et tu descends. Et même si on met du temps, c'est pas grave. Hein, comme ça, si jamais il y a les keufs qui arrivent après coup, tu vois. C'est ce que je me disais, ouais. En vrai, au moins, c'est safe, quoi. Ouais, Moi, j'attends à un endroit et puis dès que t'es en bas du chemin, je te récupère, quoi. Yes. Bah, pour le moment, que dalle. En gros, je te dis dès que je finis celui-là. Ouais. Tu voudras faire quoi? Tu voudras me les mettre dans les poches et enchaîner ou tu voudras passer à l'appart? Non, on les save, celle-là. On les save? Comme ça, on va voir. Comme ça, on voit à l'appart. Ouais, combien il nous reste de place? Ouais, parce que ça se trouve, en fait, on va mettre et puis on va pouvoir faire un dab et on aura plus de place. Bah, c'est ça. Là, on en a fait 3 d'un coup. Hein, donc. Là, je suis déjà à 34 sur celui-là. Après, on a de la chance, hein, parce que peut-être...
Peut-être que ça sonne. En vrai, peut-être qu'ils sonnent pas tous. Hein. Parce que là, ouais, c'est peut-être G6 qui réarme pas forcément l'alarme aussi. Ouais, c'est ça. Je sais ouais. pas si. Je sais pas si. Ils ont quelque chose à faire là-dedans. Peut-être tu sais, t'as une comment dire, t'as une chance sur deux que quand tu tordes le dab et que t'arrives à prendre les liasses, ben t'as une chance sur deux pour que ça atterrisse au keuf ou pas, tu vois. Je sais pas. Mm-hmm. Parce que là vraiment là, tu vois, en plus tu braques les trois mêmes au même endroit. Si les keufs avaient une alerte, ils seraient venus, c'est obligé. Bah, c'est peut-être juste le corps qui a pas de système d'alerte. Hein. Oh là, c'est non, mais là c'est pas une question du corps. Tu sais, c'est les dabs en eux-mêmes. Ils sont assurés par les banques. Bon, allez, 129, 130. Eh bien, écoute, je te retrouve au chemin. Ouais. Comment ça, y aller tranquillement. Hein. Ouais, bah tu peux y aller tranquillement. Hein. Oui, y a pas de problème. Ouais, je vais ranger mon pied de biche quand même. Ah, de ouf. Et tu peux même enlever ton masque. Oui, c'est fait. Je marche tranquillement comme si j'avais pas braqué les 3 dabs. En une traite. Mais qui... Non mais en fait t'as vu quand on tente des trucs chacun de notre côté c'est compliqué. Et dès qu'on est tous les deux putain on s'acharbonne de ouf, c'est incroyable, je comprends pas. Attends, on va faire 130 x 115 là. On a fait 15 000 balles. Oh là là, putain non mais... J'en ai tellement rien à foutre, je vais marcher dans la fontaine. Moi je suis garé en attente à l'hôtel de Playa Vista là. Ouais. Et je vais courir un peu quand même parce que le chemin il est long. Ah le chemin ouais il est long ouais. Et c'est pas en pénombre que tu vas le monter. Ah non pas du tout non. Par contre pour y accéder. Ah putain c'est par là, je me suis trompé. Putain, je sais pas par où on accède au chemin. Je crois qu'il y a un petit... Ah, j'essaie de tête, mais... Je crois que j'ai été côté sud-est. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, au bout de la pointe du chemin... Non, bah, je suis dans les escaliers, là, c'est bon. Oh, ouais. Parce que j'avais essayé de deal là-bas à vélo. C'est de la merde. Oh, puis sur le chemin. Même sur le chemin, en vrai, t'as vu sur ce qui monte. Mais là-bas, en Sanchez et... Ouais, ouais. Ah, le ton pilote en Sanchez, là. En 4x4, même. Hein. C'était vraiment chaud. Et je fais mon petit jogging sous le soleil. Nickel. Tu me vois ou pas? Non, pas encore. C'est sur l'hôtel de... Ouais, sur attends. Le parking de l'hôtel. Ouais, je suis tout en haut, là. J'ai vu sur le... J'ai vu sur le parking. Attends, comment ça, t'es tout en haut? Ah oui, attends. Attends, t'es où? T'es au chemin? T'es sur le chemin, là? Ouais. Toi, t'es garé où, exactement? Vas-y, je t'attends en bas du chemin. Ah oui, je te vois. Mais je vais arrêter de faire le con. Et oui, putain, il est long ce chemin. Bah, de ouf. J'essaie de courir un peu en descendant. Te pète pas la gueule. Hein. Oh, j'espère, ouais. J'espère que je vais pas me la péter. Ouais. Sinon, il TT direct. Là. Oh, bah, de ouf. 3 heures et on est baisé. Bah, jusqu'à ce qu'il puisse nous les reprendre, quoi. C'est vrai, de ouf. Qu'il puisse nous reprendre les liasses. Il reste pas grand chose. Alors, profitez, mesdames et messieurs. Profitez. Oh, sinon, tu sais ce qui peut être rentable? Dis-moi. T'achètes une chambre d'hôtel. Mais c'est pour ça que je t'ai posé la question combien c'était. Et... Parce que là, en fait, la chambre d'hôtel, c'est 25 000. Si on y met 500 liasses, les 500, ça oui, fait combien c'est, 25 000, mais tu retires 18 000. Que tu regagnes à la ouais, revente. Que tu récupères à la revente. Sachant qu'en plus, tu peux te faire. Rembourser 3 000 balles. Rembourser 3 000, oui. Je sais pas, c'est comme tu veux. En vrai, si jamais... comment dire, bah après, en fait, au fur et à mesure...
Je suis bientôt à la sortie là. Je suis devant le tacos. Ah oui, ok, je te vois. Bon, ouais. J'ai fait mon sport de l'année. Ah bah là, d'ouf. Mais ouais, je sais pas, en vrai. Je viens d'y penser là, en fait. Ouais, non, mais moi j'y pensais aussi tout à l'heure, tu vois, mais. Je sais pas si c'est intéressant ou pas, tu vois. Parce qu'en vrai, ça... en vrai, après, on peut toujours stock des liasses. Mais faut voir quand est-ce qu'ils nous les reprennent, tu vois. Puis c'est dans ça. Tous les cas, quand on a les thunes, on, pour l'appart, on les transfère, tu vois. C'est un investissement, quoi. Ouais. Après, ouais. Je sais pas, ouais, tu vois, j'hésite, je sais pas. Parce qu'en vrai, avec les 3 ATM qu'on a fait, en soi, on a remboursé ton appart. Hein. Bah de ouf. Bon, j'ai un appel de Lens. Ouais, allô. On aura un peu plus que prévu, ça passe ou pas? 300, ok, ça marche. Bah on arrive d'ici 5 minutes. Vas-y, à toutes. Passe avec 300 chez Lens. 300 ? 300 chez les Aztecas, ouais. Bah... nickel. Comme ça, ça libère de la place, on va pouvoir recommencer. Allez, on a 300 de place en plus. Nickel. Pas besoin d'appart, du coup. Bah voilà. Voilà, tu vois, non mais... tout tombe à pic. Mais on va leur dire, on a sorti 100... on a sorti 120 lias en... 130 lias en... 10 minutes et... ils vont bugger, hein, vraiment. Entre les voitures qu'on a fait dimanche et ça, là. Et du coup... ah, putain. Ouais, non, j'allais dire... je vais lui dire, on a 50 000 de salle aussi. Bah, c'est ce que je... ouais, mais je sais pas s'il pourra te les reprendre, tu vois. Demande-lui au cas où, mais à mon avis... je lui ai demandé. On n'a pas 50 000 piles ici. On a 53 000 et quelques. Mais comme ça, je fais une somme d'un coup et voilà. Bon, de ouf. Ah, j'ai pas les clés. Tu prends pente combien du coup sur toi? Je pense que je vais tout prendre. Hein. Tu peux prendre les 3. Ah ouais, tu peux tout prendre? Ouais, je pense. 170, hop, nickel. Ouais, j'ai 300 sur moi. Ok, nickel. Ouais, t'attends qu'il te réponde pour lui. Pour les 50 000, ouais. Pour les 50 000. J'ai envie de faire 2 allers-retours. Hein. Bah ouais. De ouf. Mais ouais, putain. C'est vraiment... on a vraiment une chance de ouf. Il y a toujours des chambres d'hôtel. Ah oui, je peux pas voir s'il y a des chambres d'hôtel à vendre. Jamais. En tout cas, l'appart qu'on avait vu est toujours à vendre. Ouais, ouais, par contre, putain, t'as vu, c'est chelou là, les zones. Il n'y a plus de zones grisées. Alors, est-ce que c'est juste un bug ou est-ce qu'ils vont la refaire? Ouais, je sais pas. Ça me paraît en vrai, ça me paraît bizarre parce que il n'y a plus aucun quartier qui est grisé, tu vois. Il y a juste, en fait, bah, le truc en 50-24, là, la Fuente Blanca, je pense que c'est. C'est le truc du cartel. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, tu en savais pas. Et il y a Lille au sud-ouest, sud-est là de la petite île. Parce que c'est. C'est peut-être genre un truc militaire ou quoi. Ah, je sais pas, sur le GPS, gros, il y a des. Il y a des. Bah, attends, il y a une supérette, il y a des garages. Ça doit être militaire. Il y a une supérette. Attends, il y a une supérette. Il y a des DAB ou pas? Ça y est, une supérette. Non mais. Je crois que Lens m'a répondu. Oh nickel, les 50k c'est bon aussi. Oh putain. Vas-y, bon, tu les prends. Ouais, vas-y si tu veux. Tu veux pas tout prendre?
Non, vas-y. Ok. Merci. En tenue de braquage ou non, on va changer. Tu veux te changer? Ouais, vas-y si tu veux. Tenue de braquage en plus avec cette caisse là, c'est un peu. Moi, ça fout. Nickel, la mallette elle va vraiment bien avec la tenue. De ouf, t'as vu, on dirait je vais faire du bis tranquille là au calme. Et ouais, du coup après ça bah, on va voir combien on a pour l'appart. Hein. Bah ouais, c'est pour ça je me suis noté là sur mon téléphone de pas oublier de leur demander s'ils ont un contact. Ah, chez les Vagos, ouais. Chez les Vagos, ouais, pour savoir si ça pose pas de problème. Qu'on achète l'appartement ouais. Sur Jameson. Et après, avant de regarder pour quelconque véhicule, faudra voir carte grise et place de parking. Comment ça, quel véhicule? Bah si, genre si on veut racheter des véhicules après, faut d'abord bah... qu'on investisse dans nos places de parking et, bah, et cartes grises. Oui, bien sûr. Bah après, c'est pareil aussi les vélos, une fois qu'on pourra les dégager. Ah ouais, mais c'est dans au moins 2 semaines quoi. Ouais, ouais. Ouais, mais bon, en soi, en attendant, bah on fait de la thune, tu vois. Me garde bien. Putain, mais tu sais. Hey yo. Yo, les gars. Ça va quoi? Ça va. Ouais, okay. Nickel. Du coup, 300 liasses et 50k, c'est ça? Yes. Bon, je donne à qui, peu importe. Bon, n'importe. Ouais, ça roule. Vas-y. Nickel. Il y a l'argent qui arrive, c'est qu'il a l'air de trouver des banques fournies. Ouais, ah, oui. Bah oui, de ouf. Des ATM fournis surtout. Ouais, faut aller dans les banques, quoi. Parce que ouais, les ATM, ouais. Là, ça va être compliqué. N'allez pas aux cortes, hein. Je crois que les 3 ATM sont hors de service. Ah ouais, aux cortes. Oui, aux cortes. C'est le truc à hauteur. Oui, le truc à gauche. Ouais. Là, mais... Bon, on a enchaîné les 3 ATM. Oui, d'accord. C'est pour ça qu'on a un peu plus que... On a déjà en stock, quoi. On avait testé le Unicorn aussi hier soir. Même pas qu'il y a un ATM au Unicorn. Bah, il y en a 3. Il y en a 3. Ah ouais, chaud. D'ailleurs, petite question, est-ce que si jamais il y a des ATM que vous voulez qu'on évite de taper proche de chez vous, que vous servez bah, ou... la station essence. La station essence, ouais. Juste à côté là. Ouais, ça reprend. On se posait la question, donc ouais, c'est pour ça. Et de la station essence là-bas, là, vous y touchez pas? Ouais, ça roule. Bah, tranquille, pas de soucis. C'est 90-51, c'est ça? Ouais. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Je les mets en rouge vite fait sur notre truc. Voilà. Et petite question, bon, si jamais après vous n'êtes pas obligé de répondre, mais est-ce que vous auriez un contact Vagos? Parce qu'en fait, on aimerait acheter un appartement qui est sur Jameson en 80-71 et on voudrait savoir si ça les dérange pas. Si jamais vous avez 80, un contact dispo. C'est proche de chez eux, c'est sur Jameson, c'est juste on demande au cas où par courtoisie, tu vois, histoire de si jamais ça les dérange ou pas, quoi. Normalement, il n'y a pas de raison.
Enfin, je vois pas pourquoi. Ouais, bon, ouais. On sait jamais. En dessous, moi j'ai personne chez les Vagos en contact, c'est-à-dire enfin, peut-être que je vais mettre à jour ça. Oui, il y a le, oui, il y a le... Oui. Répertoire. Ayo. Hey yo. Hey yo. Ça roule ? Tranquille toi ? Ça va, ça va. Oula, c'est tout bon ? Ouais, c'est bon. Nous, c'est bon. Hop. Alors, du coup. Pour toi, 71k. 36 du coup pour les Lias. Et 35 pour le sol. Et Simir. Nickel. Et nickel. Bon bah ouais, ouais peut-être dans la soirée on aura plus de liasses hein, si jamais. Ok. Yes. Là on a déjà, 150 là. Il nous demande un contact Bagos parce qu'il veut l'acheter un appart chez Jamestown. Si jamais ça dérange en fait, si jamais il y a juste un contact pour envoyer un message en mode on aimerait acheter un appartement là-bas, est-ce que ça vous gêne ou pas? Attends, je suis appelé. Brassimir. Bon, j'ai bien écrasé le pigeon sa mère. Putain, je crois que c'est celui que j'ai tasé, non? Ah, bah, je sais pas, il y avait. Comme il est encore vivant, il était tout rouge, enfin, le pigeon. on est tout good? Ouais. Oui. Oui. Nickel. Est-ce qu'on vous a fait tous les discours du coup? Concernant par exemple quoi. Des ATM. Oui, oui, mais justement, là, on a ramené 300 lias et. Ok, nickel. Et 50k. Là. Nickel. Alors, du coup, je sais pas si vous l'ont dit, mais du coup, l'ATM, les deux ATM qui sont à la station service à côté. Ouais, on a posé la question. Oui. Nickel. Bah, ça, je préfère le rappeler plusieurs non, fois. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est la dernière fois qu'on le rappelle parce qu'après, on tire. Bah de toute façon nous on se les a notés dans un petit coin histoire de pas faire l'erreur donc tranquille, il y a aucun problème, il y aura pas de tir en tout cas pour nous. Bon bah nickel. Après les autres ils font ce qu'ils veulent. Après des tirs c'est pas forcément des tirs hein mais ouais donc... parce que des tirs juste à côté d'une station essence c'est vrai que je me rends compte que c'est peut-être un peu au con. Ah ouais, c'est vrai. Ouais c'est vrai que ouais. Mais ouais. Oh, mais on a des battes de baseball. Ouais on a plein d'autres trucs même. Mais bon, bref. Unicorn, ça dérange pas non plus. Alors. Unicorn, il y en a un Unicorn. Il y en a trois. Trois vraiment. Ah ouais, d'accord. Bah ça, vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, on se fait. Tant que nous on a les notes, c'est nickel. Ouais, ça vaut pas de soucis. On comprend bien que si tu pètes nos ATM, en plus, on peut pas chercher l'argent pour blanchir, ça serait totalement con. Bah oui, clairement oui. Nickel. Eh bah ben, si on est tout ouais, alors deux secondes du coup. Ouais. Après en vrai, te prends pas la tête, hein. C'est pas grave au pire. Ouais, non, juste vos téléphones, il va vous appeler. Ouais, ça roule. Moi c'est TJ, du coup mon numéro c'est 9437. TJ, yes. Tu m'as déjà noté, ouais. Et après t'as JC, 9840. Ouais, on est déjà noté, ouais. Bon, c'est juste en fait, on voudrait acheter un appart sur Jameson et on voulait avoir un contact Vagos pour savoir si ça dérangeait pas. Ouais, ça roule. C'est pour ça qu'on transmet. Ah, okay. Et vous appelez. 9840. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça roule. Oui, nickel, Simir. Nickel. Allez, on va se remettre au taf. Hein.
Yep. Ah, pas de yes. Soucis. Allez, yep. Bonne soirée, bonne soirée à plus les gars. Bon courage. Ouais, bonne soirée. Let's go les 71 000 là. Tiens, je te les passe, comme ça, je te les mets dans le sac et puis comme ça tu mets sur ton compte vu que t'as un peu tout qui est rapatrié. Ouais, tu veux que je mette tout? Ouais, tu mets tout en soi. Bah, moi j'ai... Alors, je t'avais une petite Axel, il y avait les cops. Moi j'ai 30 000, en vrai j'ai 30 000. En fait, de toute façon, oula, putain le mur je l'ai vu proche. Hein. Je vais pas aller à la banque direct. Tu vois, ouais, ou alors je vais aller à une autre. Une autre celle-là, tu vois. Ouais. Celle-là, il n'y a pas de distributeur d'ailleurs. Ah ouais? Intéressant ça. Mais là, putain, le blanchi, il fait plaisir. Clairement. Je vais te mettre dans l'autre sens, comme ça tu peux sortir vite fait. Et les 116 000. Nickel. Du coup 116, t'as 116, moi j'ai 31, bon, on 140, est bon, plus 18. Bah non, c'est combien l'appart? C'est 130. Ouais, mais plus 18 000 de mon appart. Ah, à la limite, on peut attendre. Bah de toute façon, faut qu'on attende la réponse au cas où des vagos, tu vois. Donc, ouais. Donc on peut se remettre à taf tranquille. Yes, on va se changer. On se change dans un magasin. Bah, dans une boutique, quoi. Ouais. On va au pire au bingo là-bas, là. Ouais. Ah oui, il fait plaisir de ouf, là. Puis t'as là, vu, regarde, on l'a... Là, t'en as trois, regarde. T'en as un là. Ouais. T'en as deux là. Oh la violence. Après, ils sont... Ouais, il y avait les queues juste derrière en plus. Regarde, dans le même bloc, t'en as deux là. Deux à droite. Oh, le mal de crâne. Ah oui, oh là. Oh, nickel, c'est bon. Ah, et putain, il y en a. Oh putain, ah non, c'était des trucs pour. Non, je croyais qu'il y avait des trucs dans le parking rouge. C'était non, des mais dames, là, non. Là, sur Little Seoul, t'en as plein. T'en as des petits un peu partout. Là, t'en as un à gauche. T'en as deux à droite. Et. Voilà. T'as les ouais, t'as là, t'as les des très bons trucs là. T'en as deux à droite là. Non, ils sont pas mal ceux-là. Là c'est une banque, attends, mais il y en a on pas. On m'appelle. Ouais. Yo. Salut, c'est Tom Devagos. Ouais. Comment ça va? Nickel et toi? Ça va. J'ai entendu dire que tu voulais acheter un appartement sur Jameson Street. Ouais, en fait, on se posait la question à savoir si ça dérangeait en fait. C'est ouais, c'est tout un ça. Peu chiant en fait, je vais pas te cacher ça. Parce que c'est celui de 71 et il est pas loin de chez vous, donc c'est pour ça. C'est pour ça qu'on préfère demander avant. Ouais. Non, on l'aime bien celui-là en plus. Ouais. Ouais, donc non, je préférais que si c'était possible aller ailleurs, ouais, genre pas là. Ouais, y a pas de soucis, genre, c'est pour ça qu'on demandait. Ouais. Genre, il y a 91-17 qui est devant le parking, là, au jaune, ou le 91-59 à la limite. Bah, en vrai, en fait, c'est juste parce qu'on les a vus ceux-là, mais c'est juste parce que le 91-71, il est au top parce que l'entrée sur le côté, c'est planqué à l'arrière, quoi. Effectivement. Mais, mais c'est pour ça qu'on préférait demander avant de faire quoi que ce soit, et il n'y a pas de soucis. Pas de problème, bah non, un autre plutôt. Un ça marche. Si vous voulez, quoi, mais
Enfin, pas celui en 80-71, c'est pas celui en 80-61 quoi. Après 80-61, il faut être un peu con vu que c'est entre deux gros gangs. Bah ouais, ouais, non, de ouf. Ouais, ça marche. Ouais, tranquille, voilà. Pas de soucis. Mais le 59, si vous voulez, pas de problème. Ouais, ça marche. Pas d'inconvénient, ni le 91-17, pas de soucis. Ça marche, pas de soucis. C'est quoi ton nom déjà? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Tom Denil, numéro 3 des Vagos, oui. Ok, ça marche. Bah, moi c'est TJ, du coup. Yes. Eh bien, ça marche. Bon, mais merci pour l'info, du coup, pas de soucis, tranquille. Ouais, ça marche. Ça marche. Salut. Bon, du coup, non, c'est mort. Ouais, ils doivent le garder pour leur petite main, leur prospect. Bien sûr. Et il m'a dit celui-là et celui en. Et pas celui en 80-61 aussi. Celui qui entre chez eux et les Balas. Ouais, bah, normalement, qui... ouais, parce que tu peux mettre des mecs. Si tu les connais pas, les mecs ils peuvent planquer et tout, c'est... Non, mais de ouf. Mais tu vois, c'est pour ça, j'ai bien fait de demander au cas où. J'ai bien fait de demander. Je vais enregistrer son numéro, par contre. Alors... Ouais, tu peux le mettre même sur le... Vagos... Tom... Tony... Numéro 3, je te fais une case Vagos. C'est quoi, c'était Tom? Tom Denil. Nickel. Tu veux que je le note sur la compta? Oui, je t'ai fait une case Vagos direct. Nickel. Tom Denil, et du coup, c'est le 555. Ouais, toi, tu mets que les. Oui. Ouais, c'est ouais. 57-54. Ok, voilà, comme ça, au moins celui-là. Nickel. Ouais. On a un contact chez les Vagos et d'ailleurs il m'a dit si vous voulez bosser, il m'a lâché un petit à la fin si vous avez besoin de taf ou quoi. En mode vous pouvez taffer chez nous quoi. Bah écoute, après on peut leur demander. On pourra toujours lui demander si on a des. Bah si un jour on sait parce qu'on sait même pas ce qu'ils font. On sait même pas ce qu'ils font donc oui. Mais si on a des liens centraux et qu'ils les prennent. Ouais, ou qu'on n'arrive pas à blanchir, ou enfin qu'on a, enfin ouais. Qu'on, comment dire, qu'on a trop à blanchir pour les Aztecas. Ouais. T'as passe-moi les clés. Comme ça, c'est fait. Je sais pas trop où on peut aller là. Bon, bah, écoute, moi je pilote et toi tu me guides. Et yes. On braco. Et en vrai. Oui. Est-ce qu'on retournerait pas au Unicorn? Je pensais à Mirror là. Tu pensais à Mirror? Bon allez, on va à Mirror. Vas-y, je t'écoute. Mirror, il y en a 4. On va faire celui du sud, on a la meilleure vision. Ah. Après Mirror, il y a beaucoup de passages de keuf hors alarme, tu vois. Donc, est-ce que c'est une bonne idée? Bah écoute, c'est comme tu le sens, c'est toi qui braque. Oh là, c'était quoi ça? C'est BCSO ou Park Ranger? Ou Willy Speedy? Noir et blanc, c'est pas Park Ranger en tout cas. Ouais, donc c'est Willy Speedy. Je pense, ouais. Bon, va vers Mirror, mais je regarde d'autres qui peuvent être intéressants aussi. Ouais, tranquille. Bah, c'était les keufs. Hein. Ils vont nous filer un peu, non? Même pas. Non, ils rentrent au poste. Bon, du coup, là, on est dans le nord-est. Ouais, parce que j'ai essayé d'organiser par quartier, du coup, le truc. Ça sera plus facile à se repérer. Mais ouais, du coup, bon, dommage pour l'appart, mais du coup... Oh là, attends. Ouais, désolé, j'ai une petite extinction de voix là.
Ah oui. Mais genre, aussi. Ouais, j'arrivais plus à parler, c'était horrible. Je te disais, est-ce qu'on peut pas aller checker des apparts plutôt que de braquer là? Est-ce qu'on a vraiment... Bon, Mirror Park, je suis pas chaud de ouf, mais... 180, de toute façon, c'est 180, c'est 180, je pense, ouais, donc c'est mort. Fais voir sur le GPS. Bah, après, on a toujours celui qui, en 91-17 qu'on peut prendre. Ils ont dit que ça les dérangeait pas. Ouais. À la limite, on va voir les ballasses, on leur demande pour le 91-12, hein. Non, ça c'est mort, c'est mort. Attends, t'as vu où c'est? Forum 2. Ouais. Ah bah ouais, Forum 2. Forum 2, ça me paraît être un peu au centre en plus de la ville. Vas-y, donc, on va aller. Honnêtement. Ouais, on va aller voir Forum 2. Toi, t'avais dit que t'aimais pas trop, mais en vrai. Je kiffe bien l'endroit. En vrai, Forum 1. Est-ce qu'on s'en bat pas les couilles qu'on y va, tu sais, comme dire. Bah, James, d'ailleurs, là, il m'a dit que tous les verres, ils s'étaient fait fusiller par les keufs. Ah ouais? Ils étaient tous canés et leur groupe de petites mains, ils se sont tous cassés. Et ouais, chaud. Tu veux pas essayer d'appeler un Astécas pour lui demander? Tu lui dis écoute, l'appart, on a bien fait de vous demander parce que les Vagos nous ont dit non. Par contre, est-ce que vous savez si l'appart à Grove Street, on peut s'y installer ou pas? À Forum, ouais. Pardon. À Forum, on peut s'y installer ou pas? C'était qui que... Je vais pas appeler Lance pour ça, je pense. Je vais appeler Samuel. J'ai son... Hey yo, c'est Jess. Ouais, bah on a bien fait de vous demander pour l'appart des Vagos parce que c'est mort pour eux. Mais on a vu l'appart à Forum là. Et j'ai entendu que le groupe des Verts était un peu... Ouais, un peu mort donc... Juste après mon dernier refrain, bah malheureusement... Bah Forum. Ouais. Encore une extinction de voix, bordel. Parce que... Ouais, ça... Ah ouais. Ouais, y aurait un... Ah ouais, mais non, je vais pas leur demander de m'installer à Forum s'il y a des gars... En vrai, pourquoi pas, hein, si vous avez un contact, je suis preneur. Hein. Un contact de Forum. Non, non, un contact genre pour lui demander si l'appart c'est ok. Comme ça fait quelques jours. Ouais, mais ça fait quelques jours qu'il est dispo donc. Ok, ça marche. Ouais. Ok, ça marche. Ça marche. Et Forum 2, du coup, tu penses que c'est comment? Ok, ça marche. Ah ouais. Ok, ça marche. Ouais. C'est très intéressant là parce que ouais, on a interagi avec différents groupes pour Allez, essayer de... Bon courage. De pas faire les bâtards quoi. Ouais, il me dit Forum, il y a encore quelques gars. Ouais. Et Forum 2 évite. Ah ouais. Donc ouais, je pense qu'avec... C'est pour ça que je lui ai demandé un contact à Forum, il m'a dit qu'il n'en avait pas. Ah bah... Mais pour lui, je lui ai dit Forum, il m'a dit « bah je vois pas de problème ». Mais les gars à côté de lui lui ont dit « non, c'est mort ». Ah ouais. Ouais.
viseur, toujours pas de bail à signer. Notre compte en banque qui déborde, pas grave, je suis un bonhomme. Et je vais voir sur les techos, y'a personne là, putain. Bah ouais, ouais, c'est. En vrai, il y a son père, quoi, tu vois. Mais tu vas rentrer dedans en forum. Moi, je trouve non, ça chaud. Non. Jamais de la vie, je rentre dans forum comme ça. Oui, c'est ça, mais c'est pour ça. Même s'il n'y a pas de groupe à proprement parler qui. Bah, même si elle reste habite, dans le groupe. Ça reste un quartier, il y a des gens armés et. Oui, c'est ça. Sachant que nous, on n'a rien, quoi. Bah, nous, on est on des. Pas d'armes. On est des petites mains, donc on a une batte de baseball et un marteau, et toi t'as un pied de biche. Allez, go. Et un taser. Je vais envoyer un message à James, je vais lui dire. En vrai, je préfère faire comme ça, tu vois. Pas faire ouais, le connard et l'acheter. Oui, clairement. Du coup, on peut retourner au braco, je pense. On en fait un, après j'irai manger, moi. Ouais, vas-y, on fait ça. Tu vas aller où? Putain, du coup, j'y ai pas pensé. Bah, Mirror, non? Bah, go Mirror, ouais. Ou la Maze. Ouais, non, quoique, il y avait les flics qui allaient là, vers là-bas. Ouais. Oh, je me suis fait flash à 100... Putain, 150 balles, j'ai eu. Ça va. Wow. On vient d'encaisser 70 000 gros, ça va. Ouais, tranquille. Ouais, mais bon, c'est pas parce qu'on a de la thune qu'il faut faire ouais, revoir l'appart là, juste là. Mais après, je pense pas qu'il y aurait mieux qu'un appart à Forum Forum. Hein. Ah bah, clairement. En vrai, celui-là, il est pas si. Celui-là, ça va, parce qu'il y a un peu d'espace derrière là. Ouais, et c'est vrai... juste que c'est visible. Ouais, mais en vrai, ouais. Après, en vrai, t'es chez toi, tu vois, donc... Ouais. En vrai, celui-là est pas... Celui-là est pas trop mal, mais ouais, si y a... en vrai, s'il y a moyen... Le truc, c'est que... Il y a la grande route qui passe juste à côté. Et j'aimerais bien avoir une réponse de forum... Ouais, moi aussi, ouais. Avant. Bah, que ce soit forum ou forum 2, tu vois. Ouais. En vrai, comment dire... toutes les possibilités qu'on a et on avise quoi. Parce qu'après ouais voilà en fait ce serait bien qu'on trouve un appart et qu'on y reste, qu'on n'ait pas besoin de rechanger, qu'on puisse investir dans des places, tu vois, de parking et c'est tout, ça quoi. Ouais, que là tu vois, imagine on aurait sauté comme des totos sur le truc à chez les Vagos, ils nous auraient dit ah bah non c'est mort les gars, vous dégagez, en fait bah tu perds ouais, tu perds 50 000 quoi. Bah, tu perds un pourcentage de ce que t'as investi, donc ça dégoûte quoi. Aussi, j'ai trouvé aucun ATM de ce côté-là. Ouais. Quartier Indus jusqu'à Mira. Et du coup, il t'a donné un contact vert ou il va trouver un contact? Non, il m'a dit que. Qu'il les avait pas les contacts et il m'a fait comprendre qu'il les filerait pas quoi. D'accord, ok. Et qu'il fallait mieux abandonner pour forum. Donc ouais. J'ai quand même demandé à James, parce qu'il avait l'air d'être proche des verts, je pense. Vu comment il a parlé de tout à l'heure. Donc James. Ouais. Le mec avec qui on a parlé hein. Alors, tu veux tenter le kill? À gauche, là. Et au deuxième bâtiment. Là, à gauche. Je fais quoi? Je spot et toi, tu te barres à pied ou... Tu restes là, ouais. Je reste là? Et on fait une CP? Tu te sens de le faire ou pas? Oh, je non, je la fais à pied. Hein. Ah non, moi, je me sens de le faire. Hein. Mais c'est juste pour savoir ce que tu veux que je fasse. Ouvre ta carte vite fait là. Ouais. Tu peux spotter. Si elle est keuf, je passe par derrière. Je te rejoins en 73-26. Ouais, tranquille. En gros, derrière le mécano. Bon, je vais tourner dans Mirror, je pense. Hein.
Je vais aller vers le PDP, retourner vers, vers les taxis. Bah ouais, sur la... Je t'entends pas là. Sur l'avenue principale, tu peux faire des allers-retours. Ouais, c'est ça, c'est ça. Vas-y, je vais faire ça. Vas-y. Vas-y, je t'attends sur le côté. Ouais, vas-y. Juste attendre 30 secondes, je vais aller à la supérée de voir s'il n'y a pas des keufs. Non, c'est bon, je vais à l'autre supérette. Il y a des keufs qui vont direction la supérette. Vas-y. Pas tenter, alors. Vas-y, commence à braquer. Non, non, vas-y, vas-y. Comme ça, on va voir s'ils sont alertés ou pas. Ils sont où là? Ils sont à la sup? Ils ont continué après la sup. Mais où ça? Bah, la sup. Non, non, la supérette direction la mine. La Syrie, pardon. Ah, ok. Vas-y. Je me dis si ça braque et je vais voir s'ils reviennent. Ouais, j'ai sorti, ça sort là. C'est quoi, j'ai envie d'aller direction vers eux, mais. Mais j'ai pas envie de trop m'éloigner de toi non plus, tu vois. Ouais, bah pour le moment, je vois rien de ce côté, donc... Attends, je vais couper ma musique. Qu'est-ce qui arrive vite vers moi? Ok, c'est moi, mais non. je me suis dit, caisse bleue comme ça là, ça peut être une banane. Non, t'inquiète. Attends. J'essaie d'écouter. Pas de giro à l'approche. Je te dis, pour moi là, si ça avait sonné, la caisse que j'ai vue qui est partie direction la Syrie, elle aurait fait demi-tour. C'est pour ça que je voulais que tu testes rapide aussi, en fait, ouais. Tu vois. Donc à mon avis, c'est safe. Fais quand même gaffe, hein, ça peut sonner en cours de route si je touche un mauvais fil ou quoi. Ouais, ouais, de ouf. Je vais retourner direction la supérée de Mirror Nord. Ouais, c'était Mirror Sud. Je vais essayer de rappeler que j'étais vers Mirror Sud, donc là ça a l'air safe. Il reste une quinzaine au max. Enfin, pas vraiment, mais quand même. Ouais, à peu près quoi. De toute façon, même s'il y en a plus, je me taille à 50. Normalement, de toute façon, de ce que j'avais compris hier, tu pouvais pas avoir plus de 50. Hein, donc, Oui, sauf au Unicorn. Ouais, sauf au Unicorn, les soirs de pleine lune. Mais tranquille. C'est jamais là, on est à Mirror Park un jour de brouillard, donc... Ouais, c'est chaud, ouais. 47. On fait qu'on va laisser cure direct. Ouais. De toute façon, moi je pense que je vais aller faire une pause là pour manger. Bah, vas-y, bah tu sais quoi, on va mettre le plein et puis on va faire une petite pause et puis ouais, moi je reviendrai au Mir, tu vois, vers 20h30. Ouais, mais, là, ouais. Moi je pense faire la même aussi. Mais ouais, putain, maintenant qu'on a les prix en vrai, c'est intéressant de ouf. Ça motive puis, aussi. Hein. Ouais, c'est ça. En vrai, c'était quand même motivant de taper quand même et de pas savoir les prix, tu vois. Mais là, oui, c'est vrai que avec le Blanchi plus les Elias, là... Mais c'est motivant de savoir que c'est rentable aussi, quoi. Ah bah de ouf. Parce que si c'était 5$ l'Elias, j'aurais pas allé beaucoup taper. Tu l'avais mis dans la compta, du coup, combien c'était? Ouais, tu l'avais fait, ouais.
De quoi hein? Mais tu sais, mettre comme j'avais pris les prix, tu sais. Ah, Lias, vas-y. Genre, un prix chez Azteca, c'est par exemple là, on en a vendu combien? On en a vendu 300 Ah, oui, je vais faire comme ça. Je vais mettre Lias vendu du coup. Ouais, ouais. Bah, en fait, y a, à gauche, j'avais déjà mis Lias de billets à un moment. Ouais, mais je vais mettre le tarot du coup. Là. Ouais, voilà, du coup, tu peux mettre le tarot et. Et je vais mettre une autre ligne. On essaie de tenir les comptes quand même. Bon, les voitures, on a un peu abandonné parce que suivant quand on en fait que tous les deux ou quoi. Et t'as regardé au fait quand est-ce que t'as acheté l'appart? Non. Quand est-ce que t'as payé la taxe d'habitation? Non, j'ai pas vu. Parce que moi, de toute façon, moi c'est toujours. Je crois que c'est toujours pété, moi. Je vais check. Attends. J'ai payé le 4. Le 4? On est le 13. Ouais, donc c'était il y a... Il y a 9 jours. Ouais, c'est ça. Donc on s'est baissé. Alors attends, je regarde juste un truc. Oula, j'ai vu une voiture, elle a fait des dingueries. Ouais, James là qui pensait avoir des contacts chez les Verts, il me dit que il sait même pas s'il en reste. Et que si on s'y installe, il y aura un groupe qui va venir s'installer et nous déloger. Ah ouais? Enfin lui il le voit comme ça quoi. Bah après ça se trouve comment dire. Après, je comprends aussi, tu vois. C'est pour ça que... je sais pas. Après, ouais, c'est... En fait, le problème d'être dans des apparts près d'une zone... Bon, après, en soi, celle qui est derrière la fourrière, pas trop... Elle est un peu au milieu de tout, donc ça passe. Mais là, c'est vrai que même s'il y a un groupe qui est pas là, si jamais il y a un groupe qui veut prendre ce quartier, bah, on va se faire kick, tu vois. Et après, par contre... C'est ça. Par rapport au. Mais pour moi, le groupe, 2, le groupe, ils sont dans le quartier. Pour moi, ça s'implante pas comme ça. Hein. Oh putain. Attends. Oh, je vais me faire caca dessus. Attends, j'ai pas d'antibio. Oh, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Ouf, c'est bon, j'ai plus mal au ventre. Attends, t'as rentré à la caisse ou je. Non, vas-y. Vas-y, je rentre. Mais oui, pour, moi, pour moi, un groupe, ça s'implante pas aussi facilement, tu vois. Ah bah non, de ouf. Surtout, s'ils voient qu'il y a aucun appart dispo. Puis c'est surtout que s'ils se sont tous fait fusiller, à mon avis, ça va être compliqué. Mais après, tu vois, comme... Bah ouais, mais c'est comme, tu vois, bon, je pense que la zone-là, plage sud, là-bas, là, quand il y avait tous les apparts, là. Là, tu vois, est-ce qu'il y a des gens qui ont récupéré la zone, tu vois? Bon, pour le moment... Le truc, c'est que je suis passé devant plein de fois et il n'y avait rien. Ou après, la zone, elle a été achetée après que le gouvernement ait fait de la pub pour qu'on achète leurs apparts. Ouais, je sais pas. Écoute, ça se trouve, on aura des réponses après bouffer. Et puis, si on se motive, on se prend l'appart derrière la fourrure. Oh là là là, non mais putain, si j'avais un gun, j'aurais tiré dessus là. Culé, va. Je pense aussi, oui. Mais oui. Ouais, Thomas, il me dit que ça. James, il me dit que ça se tente. De quoi Forum? L'appart Forum. Mais moi, par respect, ceux qui peuvent être là ou ceux qui étaient là avant, j'ai quand même envie de demander. Ben, non, mais moi, ben, c'est comme l'appart à côté des Vagos. Hein. C'est pas leur zone, mais je préférais demander. Ouais. Et tu vois, le mec, le numéro 3, m'a dit non.
Donc, je suis pas là en mode oh, ça casse les couilles. Je suis là en mode mais normal en fait, gros. Ouais. Après, ça se trouve, Forum, ils ont pas forcément les moyens de se relever pour le moment. Et ils vont nous dire ok, mais vous bossez pour nous. Ah, ouais, je sais pas. C'est pour ça, hein, faut, comme tu dis. En hein, mode, tu... vous habitez dans notre quartier, vous bossez avec nous. Ouais, je sais pas. Vous êtes pas forcément dans le groupe, mais. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Et tu vois, c'est des petites mains exclusives, quoi. Ouais, bah après, ça m'emmerde. Hein, parce que. Enfin, ah, ça m'emmerde. Sûr. Après, c'est une hypothèse. Hein, c'est... Pour le moment, il n'y a rien d'acté, quoi. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah écoute, si jamais on a une réponse de quelqu'un de chez eux ou quoi, ok, pourquoi pas, tu vois. On a combien de places, là, du coup? Je crois 20-25 kilos, quelque chose comme ça. Parce que oui, en vrai, investir dans un appart, c'est vraiment faut qu'on s'y installe et qu'on bouge plus, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir avant, quoi. Yes. Il faut bien être au courant de tout. Il nous reste 25 kilos, là. Il nous reste 25 kilos ? Ok. Ouais, ouais. Donc il nous reste 250, 200, donc ça fait 248, quoi, exactement. Ça fait 5 dab à peu près. Oui. On a 3333 billets de 1. Ouais, ça c'est si on refait des caisses de toute façon. Donc je sais pas, on va voir ce soir. On verra en fonction de notre motivation et de peut-être des réponses qu'on aura eues d'ici là, tu vois. Ouais. Bah, je sais pas comment choper un contact chez les Verts, tu vois. Au Bénis, peut-être. Genre comme ils sont juste à côté. J'essaie de regarder les numéros que j'ai. Moi, j'ai pas. Moi, j'ai, de... j'ai un gars qui était assez proche des Verts avant. Ouais, c'était qui? Et c'est Kenny. Bah, essayer d'appeler, hein. Ah, le truc, ça fait 6 mois, je lui ai pas parlé. Non, mais envoie un message, tu vois. T'envoies un message, tu dis yo, oui. C'est Jesse. On s'était croisé quand je bossais aux zombies. Je sais pas où tu l'as croisé. Ou... Oui, il bossait aux zombies aussi. Ah, bah, d'accord, ouais, bah, nickel. Oui. Et tu dis écoute, je sais que t'étais proche des Verts. Est-ce que toi t'as des infos enfin tu vois parce que tu dis moi je cherche un appart enfin peut-être pas l'appart de suite au pire ouais, tu lui direct, demandes juste ouais tu lui demandes juste des infos sur les Verts et si c'est des trucs tu vois et ouais. Suivant ce qu'il dit ben après derrière tu t'enchaînes sur ben, je cherche un appart et j'ai vu qu'il y en avait à Forum la partie forum principale 2, et ouais, forum ouais. 2, forum nord, donc à voir, tu vois. Yes, bon, je lui enverrai un message plus tard dans la soirée, en vrai. Ouais, vas-y, tranquille. Manger tranquillement. Et ben vas-y, la même. Vas-y, pas bon appât. Ouais, bon appât à toutes. Bon, et bien, mesdames et messieurs, ce fut une session sympathique. Je me suis arrêté au bout de 20 minutes de stream par Cédou. Je me suis craché comme un caca, mais au moins on aura braqué un peu d'ATM, on aura blanchi, donc là on a de la thune, on peut acheter un appartement maintenant, donc ça c'est trop cool. Et c'est intéressant du coup de voir les infos qu'on a en RP par rapport aux Vagos. Bon, les Vagos, en vrai j'en avais aucune idée pour l'appartement en 71. Et j'ai très bien fait de demander parce que ouais, voilà, ils nous disent non, quoi. Et ce qui paraît logique, hein, un appartement comme ça à côté d'une zone, vraiment, en plus il est planqué, c'est un peu, hein, il est un peu goldé, quoi. Donc on verra si on a des réponses de Kenny. Alors à Kenny, HRP, je sais que il avait voulu remonter le Tacos Gang, mais qu'apparemment ça n'a pas marché, quoi. Donc le Tacos Gang a des pop, donc à voir. Donc voilà, bon, en tout cas des bisous, à tout à l'heure et bon appétit, des bisous.